Alors, nous sommes en direct live avec le grand Pierre-Yves Rougeron, politologue et juriste, et Charles-Henri Gallois, économiste et trésorier à l'UPR. Pour ma communauté, je vous l'avais promis, ce grand live avec deux personnalités qui représentent selon moi le futur de la France réellement. Et donc, je suis ravi de lancer ce live Super France. Sur la France d'après, que fera-t-on après la crise du coronavirus? Quelles mesures devraient être prises pour redresser la France de cette crise majeure, qui est vraiment quelque chose d'unique dans son histoire? Comment saisir l'opportunité que présente cette crise? Et donc voilà, avec nous, Pierre-Yves Rougeron et Charles-Henri Gallois. Alors, le chat est ouvert, bien entendu, pour tous vos commentaires. Et poser des questions en live directement à nos deux grands invités. L'objectif donc est de faire un petit peu de la prospective, d'essayer de en se disant voilà, on est au pouvoir, on a comment dire le parti indépendantiste français, c'est comme ça que j'aime le représenter, a pris le pouvoir et quelles sont les grandes décisions qui sont prises par le gouvernement français si Pierre-Yves Rougeron et Charles-Henri Gallois sont aux commandes. Alors, je vais donner la parole d'abord à Pierre-Yves Rougeron et puis ensuite à Charles-Henri, mais on fera ça de façon interactive et bien entendu décontractée. Mon cher Pierre-Yves, tu as la parole, tu es à la tête du gouvernement de la France. Que fais-tu de beau après cette crise? Déjà, bonjour à tous, bonjour Idriss, bonjour Charles-Henri. Moi, ce que je pense d'abord, c'est une sorte d'audit général pour restaurer la confiance publique. Cette crise a fait éclater un nombre de conflits d'intérêts, une incompétence parasitaire, un esprit de caste qui met en danger l'État et qui met en danger la concorde civique. Je pense avant tout qu'il faut rétablir la notion de légitimité dans nos concitoyens. Il y a deux manières de le faire. Premièrement, à mes yeux en tout cas, terminant la logique de la Ve République avec l'instauration d'un pouvoir populaire, ce qui peut prendre plusieurs formes. La plus connue, c'est le RIC, mais ça peut en prendre plusieurs. Bien évidemment, en parallèle d'un processus de reprise totale de souveraineté avec une sortie de plusieurs organisations internationales, dont la plus nuisible est l'Union européenne, et pour ensuite commencer véritablement une reconstruction quasiment au sens de l'après-guerre. C'est le travail d'une génération. Mais je pense que la charge la plus urgente, c'est de rétablir la souveraineté et la légitimité. Ce qui, pour que nous évitions de très profonds heurts publics qui peuvent aller jusqu'aux affrontements dans certaines zones de notre territoire. Charles-Henri, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Alors, je suis d'accord avec les deux points, parce que si on regarde en fait cette crise, il y a plusieurs éléments. Il y a d'une part l'impréparation, mais il y a l'autre part, et ce qui a dégoûté les Français, ce qui continue de les dégoûter, c'est les mensonges d'État qu'on a eus, les mensonges sur les masques, les mensonges sur les tests qui sont proprement ahurissants. En fait, on sait très bien, par exemple, sur les masques, ils savaient depuis janvier, ils n'ont rien fait, donc impréparation totale, alors qu'il faut des millions, voire milliards de masques pour les soignants et même pour la population. Le ministère de la Santé lui-même avait expliqué justement qu'il fallait des masques, le conseil scientifique après. Et on avait le gouvernement, avec, j'aime bien l'appeler la cibette NDI, qui nous expliquait, elle, que le port du masque n'était pas nécessaire pour les citoyens. C'est un mensonge d'État qui visait, en gros, ils pensaient être malins en disant ça, que les gens n'allaient pas se ruer sur les masques et donc ils allaient réserver le peu de masques qu'ils avaient, comme ils n'étaient pas prêts, pour le personnel soignant. Sauf que le grand problème, c'est qu'on joue avec la santé publique des gens parce que non, si on avait les masques,
les masques seraient recommandés pour tous et donc on joue avec les santé des gens. Donc il y a évidemment l'impréparation et le mensonge. Et quand il y a l'impréparation, c'est exactement ce que disait Pierre-Yves, on en revient au domaine de la souveraineté. Pourquoi ? Parce qu'on fabrique plus de masques en France, mais c'est qu'il y a dans tous les domaines. On parle à l'heure actuelle, et le gouvernement parle de la souveraineté en matière sanitaire. Mais c'est un tout, c'est global, parce que la santé, c'est pas seulement l'hôpital public, c'est aussi toute la chaîne qu'il y a derrière, chaîne de production. On sait que 8 principes actifs des médicaments sur 10 viennent de Chine. On ne produit pas de masques. Pour les tests, on est obligé également de les commander, donc on ne produit plus rien. Mais la souveraineté, c'est pas seulement sanitaire. On pourrait parler, il y a des pays, et les Britanniques que je connais très bien pourraient vous en parler, les Britanniques, eux, ils ont récupéré leur souveraineté en sortant de l'Union européenne, mais la souveraineté, ce n'est pas seulement sortir de l'Union européenne, c'est un état d'esprit, et c'est un état d'esprit d'indépendance. Quand on parlait de l'indépendance de la France, j'aimais ça, parce que les Britanniques, qu'est-ce qu'ils découvrent ? Qu'au niveau de l'alimentaire, ils ne produisent quasiment plus rien. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en période de crise, comme c'est le cas à l'heure actuelle ? Et ça, c'est la grande leçon de toute cette crise, c'est qu'on en revient en période de crise, on en revient en nation. Et quand il y a une crise, bah chaque pays, c'est bête, mais c'est la réalité, chaque pays cherche ses intérêts. Et donc les pays au niveau alimentaire ne vont pas exporter aux autres pays parce qu'ils vont garder pour eux. C'est la même chose au niveau des masques. On a vu la guerre des masques au sein même de l'Union européenne. Et donc cette souveraineté, cette volonté d'indépendance, au-delà même des institutions, c'est les choses qui doivent perdurer et continuer après. Ça doit être repris sur tous les domaines. On en parlera certainement au niveau du maritime, au niveau industriel. C'est un état d'esprit, c'est ce qu'avait le général de Gaulle, de penser à chaque fois à la France comme une France indépendante. Évidemment que la France n'a pas d'amis ou d'ennemis. Elle a ses intérêts, elle doit défendre ses intérêts, elle doit penser pour elle. Et c'est ce qui devrait être fait juste après. Et ça passera évidemment par des changements de personnes, comme ça a été dit, parce que ce ne sont pas ceux qui nous ont mis dans cette situation et qui, de toute façon, ne croient plus en la France qui vont mener cette mission. Ouais, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Je vois les commentaires aussi dans la barre de dialogue. C'est tout à fait encourageant. Ils ont l'air d'être... Voilà, je lis par exemple Aberkan, Rougiron, Gallois, le trio de chance de la France de demain. On nous appelait les trois mousquetaires aussi, j'ai entendu ça. Alors effectivement, là, le but, c'est d'entrer dans le concret, quoi. Donc on a appelé ça Super France pour l'auditoire. Il y a une petite référence assumée à Super Dupont, hein, parce qu'on partage quand même cette belle référence tous les trois. Avec son côté Prensard, Rascal, et les Rascals, je crois que Charles-Henri en a déjà très bien parlé. Il y a le rascal aussi en termes de finances, c'est-à-dire la dette française. Alors, Pierre-Yves, je te rends la parole sur comment mènerait-on l'audit de la dette française concrètement, quelle nationalisation devrions-nous entreprendre ? Et ensuite, Charles-Henri, je te rends la parole aussi sur la grande question de la sortie de l'euro. Et tu sais très bien d'avance que ce ne sera pas « doit-on sortir ?», mais « comment en sortons-nous ? » Donc, Pierre-Yves, tu as la parole sur nationalisation et audit de la dette. Alors, moi, déjà, j'aimerais que, pour nos auditeurs, j'aimerais être clair sur un point. Les discours millénaristes ou les discours affolants sur la dette ont un grand intérêt, qui est de forcer les États à vendre les bijoux de famille et à les vendre à vil prix. C'est un système qui n'est pas très très loin de l'extorsion et qui avait d'ailleurs été audité par plusieurs associations citoyennes ou experts citoyens. Je pense un ouvrage qui vaut ce qu'il vaut, mais qui s'appelait « La braderie du patrimoine public des Français » de Jean Roux à une époque. En réalité, nous savons par exemple, si nous prenons les autoroutes bradées par M. Galuzzo de Villepin, qu'elles ont été bradées à 60% de leur valeur. Par exemple, la dette, c'est avant tout un discours qui est utilisé alors que la dette publique est un produit financier qui est recherché. Pour une raison qui est très simple, c'est que l'État est un débiteur immortel, ce qui est déjà très sympathique parce qu'il fait faillite rarement et meurt rarement. Particulièrement la France, qui n'a pas énormément fait faillite dans son histoire, contrairement à certains de ses voisins. Comme l'Allemagne, par exemple. Donc, pour rappeler à l'autre, on va me faire un procès.
Non, après, on va me faire un procès. Responsable de tes propos, Idriss. Voilà, d'accord. Mais il faut rappeler les faits. La France l'a fait défaut combien de fois dans son histoire? Une fois? Deux fois? Deux fois. Deux fois. La France a fait défaut deux fois sur sa dette dans son histoire. L'Allemagne, combien de fois, mon cher Pierre-Yves? C'est l'Allemagne, sept fois. L'Allemagne, sept fois. Voilà. Bon, sept fois défaut donc, sur sa dette en Allemagne. Fin de la parenthèse. Donc là, la grande différence avec les années 2008-2010, c'est que la dette s'est largement renationalisée. C'est-à-dire que nous avons fait baisser la part des étrangers. Enfin, elle s'est baissée d'eux-mêmes. Ils se sont débarrassés du produit. Mais ça, c'est un phénomène plus, disons, plus global, mais qui a été particulièrement marqué sur la dette française. Donc, il y a plusieurs solutions techniques qui mériteraient des délibérations citoyennes. Il y a la dette perpétuelle, il y a beaucoup de choses. Ce qu'il faut déjà, c'est statuer la dette étrangère, qui est pas d'un montant extraordinaire, c'est ce qu'on la paye, ce qu'on la paye pas. Bon, si ce sont des pays alliés, il n'y a pas de raison de ne pas la payer. Mais on peut tout à fait faire des moratoires, dès que tu as la souveraineté, tu te retrouves, et c'est ça qui va être un véritable problème sur la dette comme sur autre chose, tu vas te retrouver avec une boîte à outils gigantesque que personne ne sait utiliser, mais pas loin, et qui sont des outils qui n'ont pas été utilisés depuis longtemps. Mais disons que ça ouvre des possibilités inimaginables. La seule chose, c'est déjà de sortir de l'idéologie de la dette. Alors, si tu peux être plus concret, s'il te plaît, pour nos auditrices et auditeurs. Voilà, concrètement, les nouveaux outils qui s'offrent à nous, je ne pense pas que tout le monde soit versé dans les techniques pour auditer la dette. Ah, mais une fois que tu es débarrassé, disons que tu retrouves déjà une identité monétaire. Parce que, si tu veux, la dette, c'est beaucoup plus simple à régler quand tu n'as pas de système qui t'accroche à une monnaie étrangère, ce qui est le cas de l'euro. L'euro t'accroche à l'identité économique de l'Allemagne. Bon, ça c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a déjà eu un exemple historique récent. L'Argentine était attachée au dollar. Bon, malheureusement, la Vania a dû faire défaut sur sa dette. Nous, on n'a pas nécessairement à faire défaut. On peut en répudier une partie après un vote citoyen. On peut l'auditer pour savoir si les conditions dans lesquelles les dettes ont été contractées étaient toutes légales. C'est d'ailleurs un vieux moyen français de renégociation de la dette, qui a beaucoup été utilisé à l'époque, plus à l'époque monarchique qu'à l'époque républicaine, mais qui reste valide. Voilà, il y a, si tu veux, tu peux avoir la renégociation, tu peux avoir la répudiation, tu peux avoir également l'audit judiciaire. Ça ne s'est pas fait depuis longtemps, mais rien ne l'interdit dans la Constitution de la Ve République. Alors, on me demande dans le dialogue comment ça se pratique un audit judiciaire. Si auditer la dette judiciaire, ça veut dire quoi si tu Un audit judiciaire, c'est assez simple. Tu remets, mais là par contre, ça prendrait des années vu l'état des tribunaux français. Je ne suis pas certain qu'il y ait énormément de magistrats capables de statuer là-dessus. Mais bon, pourquoi pas? Après tout, Van Rijnbeek a bien exercé jusqu'à une époque récente. Mm-hmm. Mais si tu veux, tu donnes à l'autorité judiciaire le droit de regarder comment la dette a été passée, est-ce qu'il n'y a pas eu de conflit. Ce serait d'ailleurs très problématique avec des gens comme l'agence France Trésor, par exemple. Ça poserait beaucoup, beaucoup de problèmes. Et surtout les spécialistes en valeur du Trésor, ceux qui négocient une partie de notre dette, qui sont des grandes banques et des grands systèmes d'assurance internationaux, étrangers pour la plupart. Donc, pour notre audience, vous voyez, il existe tout un tas de méthodes pour pouvoir d'abord auditer judiciairement, c'est-à-dire que c'est plus seulement une répudiation, c'est qu'une enquête indépendante et impartiale détermine que cette dette a été contractée dans des conditions illégales, par conflit d'intérêts comme Pierre-Yves pouvait le citer, ou d'autres raisons, et que dans ce cas-là, cette dette est nulle et non avenue. Ça, c'est quelque chose sur le plan légal, elle est nulle et non avenue. Répudier, bien sûr, je vais aussi citer rapidement Charles Gave, qui rappelait très clairement que quand un pays répudie sa dette, en réalité, les marchés se précipitent pour lui prêter, contrairement à ce que l'on nous a dit. C'est à ça que Pierre-Yves faisait aussi allusion, sur les questions millénaristes. Oui, pardonne-moi Pierre-Yves, je t'en prie, tu voulais parler.
Tu voulais intervenir, Pierre? Puis-je juste ajouter un tout petit point avant de donner la parole avant de laisser le tour à notre ami Charles-Henri. Je t'en prie. Quand j'avais interrogé la Vania, donc l'Argentine est un grand pays, un grand peuple, mais qui n'a pas les possibilités de l'économie française, tout de même. C'est pas leur faire injure que de le dire. Lavagna s'est retrouvé à la tête du gouvernement argentin avec une histoire absolument rocambolesque, c'est-à-dire que le ministre qui l'a précédé s'est tiré en hélicoptère aux États-Unis, enfin en Colombie d'abord, aux États-Unis ensuite, et il a dû mettre fin au couplage du dollar et du peso argentin. Bon. Il avait prévu que les marchés ne lui prêtent pas pendant 6 mois. Je dis bien 6 mois. Eh bien, les marchés ont prêté au bout de 3 jours. Vous voyez, la rancune des rentiers est une menace qui n'a pas de réalité historiquement. Je ferme la parenthèse. Oui, retenez bien ça pour l'audience. La rancune des rentiers est une menace qui n'a pas d'existence dans l'histoire. Et le cas de l'Argentine, encore une fois, le résumé simple est que même pour l'Argentine, les marchés se sont précipités pour prêter à nouveau. Et bien entendu, il va de soi que la France a un potentiel économique très supérieur à l'Argentine, même dans les circonstances actuelles. Alors, je passe la parole à Charles-Henri Gallois pour déjà en priorité la question du Frexit et de la sortie de l'euro, et puis surtout le comment. C'est intéressant pour faire une transition de parler justement du lien avec la dette, parce que c'est une question que les gens se posent souvent, et c'est finalement la grande peur qu'on veut vendre aux Français quand on parle de l'euro, qu'on veut vendre notamment aux personnes âgées, c'est de leur dire si demain la France sort de l'euro, on va devoir rembourser notre dette dans un franc qui va être dévalué par rapport à l'euro, et donc le montant global de la dette va exploser. Cette crainte-là est absolument fausse, parce que justement, il y a un principe de droit international qui s'appelle la lex monetae, qui veut dire que ce qui est à court, et ce qui contractuellement ce qui se passe, c'est que ce qui est fait foi pour un contrat, c'est la nationalité du contrat et non pas la nationalité du créancier. C'est-à-dire que peu importe la part entre résident et non-résident, si les contrats ont été rédigés en droit national, en droit français, automatiquement, c'est converti dans la monnaie qui a cours dans le pays, en l'occurrence, du nouveau franc, enfin de l'euro au nouveau franc, si on sort légalement au taux de 1 pour 1, même si le nouveau franc se déprécie après, automatiquement, la dette sera convertie au taux de 1 pour 1. Et la bonne nouvelle que je vous donne, c'est que 97% de la dette française est en droit français. Donc la question ne se posera que pour 3%, autant dire rien. Et un État redevenu souverain peut très bien mettre une taxe confiscatoire sur les 3% restants pour forcer justement les créanciers qui détiendraient un contrat de dette française en droit étranger à passer en droit national. Et c'est la grande différence d'ailleurs avec des pays comme l'Argentine, qui a été cité par Pierre-Yves, ou la Grèce, parce que la Grèce a la moitié du fait de restructuration de la dette de la Troïka, la Grèce a la moitié de sa dette qui est en droit international, donc qui serait pour le coup, qui devrait être payée en euros alors qu'il serait repassé en drachme. Et l'Argentine, c'était un des grands problèmes aussi, c'était majoritairement une dette contractée auprès de fonds, notamment fonds américains, c'était en droit international, et il devait rembourser quoi qu'il arrive en dollars et non pas en pesos, donc c'est ce qui a mis ces pays en difficulté. Donc la France en tant que telle, et ça fait le lien avec ce que disait Pierre-Yves, la France, de toute façon, n'a pas de problème de dette en tant que telle parce qu'on a beaucoup d'actifs en face et la dette actuelle est largement soutenable de toute façon pour la France. Donc ça, c'est un faux sujet. Et même en cas de défaut, ça a été dit, à chaque fois, les prêteurs sont là dès le lendemain pour prêter à l'État français. La question du Frexit en soi, elle est très large, mais elle est liée parce qu'on parlait tout à l'heure de la souveraineté. Et si on veut être souverain dans le domaine de la santé, dans le domaine alimentaire, dans le domaine militaire, il n'y a pas 36 solutions, puisque quand vous êtes corseté par une monnaie qui est trop forte pour votre économie, et c'est le cas de l'euro, et quand vous avez les traités européens, le carcan des traités européens qui n'est pas modifiable parce qu'il faudrait l'unanimité, vous rentrez dans une situation où vous êtes obligé de sortir. Je vous prends un exemple concret, un exemple qui est d'actualité sur l'euro, parce que je pense, et j'ai co-écrit un article avec Alexandra Phillips du Brexit Party là-dessus pour le Télégraphe, une version française devrait sortir bientôt, où j'explique que cette crise du Covid-19 peut amener d'elle-même, au-delà même
d'aléas politiques ou de décisions politiques ou d'un parti du Frexit ou de l'Italexit qui arrive au pouvoir, cette crise du Covid-19 peut en elle-même amener à un éclatement de la zone euro. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu dès le début de la crise. Déjà, quels sont les pays les plus touchés par cette crise du Covid-19 ? C'est justement les pays du Sud qui souffrent le plus de l'euro, à savoir l'Italie, l'Espagne et la France. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que ces économies-là vont être complètement à l'arrêt. Ça veut dire qu'il y a des déficits massifs qui vont se générer. Et donc, dès le début de la crise, on a vu le taux d'emprunt de l'Italie qui a augmenté. Qui dit taux d'emprunt de l'Italie qui augmente, c'est-à-dire que l'Italie a déjà une dette de 136% du PIB, ça veut dire que cette dette va devenir insoutenable et les créanciers et les marchés financiers anticipent cela et donc réclament un taux d'intérêt, parce que le risque est plus grand, un taux d'intérêt plus grand à l'Italie. Ce qui se passe, c'est que l'Italie, s'il y a un gros taux d'intérêt, ne sera pas en mesure de rembourser. Et donc, qu'est-ce qu'a fait la BCE ? Dans un premier temps, la grande financière qui est Christine Lagarde avait dit que ce n'était pas le rôle de la BCE de réduire le spread étant l'écart de taux entre l'Allemagne et les autres pays, en l'occurrence on parlait de l'Italie. Et donc là, le taux d'emprunt de l'Italie avait augmenté. La BCE, après j'imagine que des gens un peu plus intelligents que Christine Lagarde derrière lui ont dit « Attention ma grande, tu risques de provoquer l'explosion de la zone euro ». Et donc la BCE est arrivée avec l'artillerie lourde et c'est le programme de pandémique European Purchasing Programme. En gros, c'est une espèce de nouveau quantitative easing de 750 milliards d'euros. Et la grande différence par rapport à ce qui se passait auparavant, c'est qu'il n'y a plus de limite d'achat de dette nationale. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est justement d'éviter que les taux d'emprunt, notamment les taux d'emprunt de l'Italie et de l'Espagne, explosent. La grande problématique, c'est que cette crise, c'est une crise comme on n'a jamais connue, même en temps de guerre. Vous n'avez pas comme ça la demande et l'offre qui sont complètement arrêtées. Et donc, quoi qu'il arrive, l'Italie va se prendre une récession peut-être de 7% et un déficit de 10% avec une base qui est plus faible. La dette italienne va peut-être dépasser les 150% d'ici fin 2020. Et on voit, de toute façon, d'une manière générale, les marchés, que ce soit les marchés actions ou obligations, qui réagissent de moins en moins au quantitative easing. C'est comme s'ils sont surdosés en morphine et donc ils réagissent moins. Et donc, ce que je pense, c'est que malgré ça, et plus le confinement continue et l'économie est à l'arrêt, le taux d'emprunt italien va augmenter. Et d'ailleurs, ils le savent, c'est bien pour ça que les pays du sud de l'Europe demandent à tue-tête, à l'Allemagne, il faut faire des coronabonds. Parce que des coronabonds seraient une mutualisation de la dette, et donc ça permettrait aux pays du sud d'emprunter à un taux plus faible, parce que grosso modo, ça serait gagé sur l'Allemagne. Alors, pardonne-moi, Charles, l'Allemagne, évidemment. Juste pour notre audience, ce que serait que les coronabonds. Et je fais juste la parole aussi pour l'audience, oui. Les quantitative easing, hein, pour ceux qui n'ont pas encore vu ça dans leur radar, même si je pense que tout le monde sait ce que c'est maintenant sur YouTube, c'est quand la Banque Centrale Européenne fait tourner la planche à billets massivement. Et comme l'a très bien dit Charles-Henri, on l'a tellement fait que le patient est surdosé en morphine et qu'il ne réagit plus. Et on a beau maintenant augmenter les doses et jouer les docteurs Frankenstein, il ne se passe plus rien en fait. Et maintenant, la dernière trouvaille était de faire des coronabonds. Donc merci Charles-Henri de nous expliquer voilà. Ce que seraient les coronabonds. Grosso modo, ça serait lier une dette pour tous les pays, ce que l'Allemagne ne veut pas, parce que l'Allemagne ne veut pas se lier éternellement et payer pour les pays du Sud, donc ils ne veulent pas. L'autre option, c'est donc l'Allemagne ne dit « je ne veux pas des coronabonds », l'Allemagne dit « vous n'avez qu'à utiliser le mécanisme européen de stabilité, le MES », qui est un fonds de garantie des pays de la zone euro qui permet en gros que de garantir les émissions de dettes pour obtenir justement des taux d'emprunt inférieurs à ce que les pays qui sont en crise emprunteraient sur les marchés. Vu comme ça, on pourrait se dire c'est formidable, c'est la grande solidarité européenne qu'on nous vend. Finalement, vous allez avoir des taux d'emprunt inférieurs grâce à cette solidarité européenne et ce fonds qui a été garanti, fonds qui entre parenthèses est de 700 milliards d'euros et la France à 140 milliards d'euros dans l'affaire. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que ce n'est pas que des taux plus bas. Le MES, et c'est dit notamment dans son article 12, l'article 13, qui dit que c'est le même principe qu'un prêt FMI, c'est-à-dire que pour obtenir ce prêt via le MES, vous êtes obligé d'accepter après toutes les conditions du MES. C'est exactement, pour que les téléspectateurs comprennent, ce qui s'est passé en Grèce en 2010, 2012 et 2015. Il y a eu 3 emprunts consécutifs pour 289 milliards d'euros. Et en face, les conditions, c'était quoi ? C'était de prendre entièrement la main sur la politique économique et sociale du gouvernement grec.
Vous avez déjà, au-delà même du MES, de toute façon, la politique économique et sociale qui est contrainte dans le cadre notamment des grandes orientations des politiques économiques. Mais disons que vous soumettez votre budget comme un élève soumet le budget au professeur et après le professeur retoque le budget. Là, vous ne soumettez plus le budget, on vous le donne. Et donc, c'est ce qui s'est passé en Grèce. Et ce qui s'est passé en Grèce, c'est véritablement c'est une société qui devient esclave. La Grèce, il faut savoir que le PIB a baissé d'un quart en 8 ans. Les taux de suicide ont augmenté de 38%. Il y a 35% de pauvres et un tiers des salariés qui gagnent 317 euros par mois. Donc, c'est ça le résultat du MES. Bien évidemment, les pays lucides, et notamment l'Italie, disent « moi, je n'accepterai jamais ça, je ne veux pas qu'on me mette sous condition ». Mais il y a notre brillant ministre des Finances, Bruno Le Maire, on se demande ce qu'il fait là, il n'a aucune connaissance en économie, qui lui est arrivé avec son air de premier de la classe et qui nous dit « comme le MES a été créé pour les crises, il faudrait qu'on utilise le MES, que ce soit la France, l'Espagne ou l'Italie ». Complètement stupide pour la France, on emprunte à 10 ans à 0,1%, on n'a pas besoin de passer par le MES. Et donc, ça serait complètement devenir esclave alors qu'on a les moyens d'emprunter tout ça. Mais bref, il dit qu'il faudrait l'utiliser. Mais l'Italie dit qu'on aimerait un MES sans condition. Le maire s'est rendu compte, là, comme Lagarde, qu'il avait dit une connerie. Et donc, lui aussi, il dit c'est vrai que ça serait quand même bien de l'avoir sans condition. Sauf que c'est la même chose. L'Allemagne et les Pays-Bas ne voudront pas. Et l'Allemagne veut au contraire cette crise pour se dire si l'Italie, l'Espagne, voire la France, mais pour la France, c'est complètement stupide, utilise le MES. Bon, on met complètement la main sur l'économie, c'est nous qui décidons toute la politique économique et sociale. Et donc, dans ce schéma-là, si on l'a en tête, il y a trois options. Soit la première, c'est finalement le programme, l'énième quantitative easing arrive à garder des taux d'emprunt assez bas pour l'Italie et l'euro pourra survivre encore quelques temps. Soit l'Italie accepte, ou l'autre option, ça serait que l'Allemagne accepte des corona bonds, mais j'y crois pas du tout. La deuxième option, ça serait que l'Italie, justement, se couche, comme Tsipras s'était couché, et accepte le MES avec des conditions. Donc l'Italie sera en état d'esclavage et l'euro pourrait durer encore quelques temps. Et la troisième option, c'est que l'Italie refuse, les taux d'emprunt augmentent, il devient impossible pour eux de rembourser leurs dettes. Et donc, ils repassent de facto en monnaie nationale en monétisant sur le marché primaire, parce que les quantitative easing, c'est sur le marché secondaire. Ils rachètent de la dette qui a déjà été émise et achetée par des banques privées. Là, ça serait que l'Italie retrouve la lire et que ce soit la Banque centrale italienne qui finance directement sa dette. Et ça serait de facto une sortie de l'euro de l'Italie et une sortie de l'Italie de l'euro. On parle de la troisième économie de la zone euro. Je ne vous fais pas un dessin, l'Espagne et la France, au niveau compétitivité, seraient quasiment obligées de sortir parce que l'Italie serait bien plus compétitive avec une monnaie qui correspond à son économie et qui serait dépréciée. Et donc, on arriverait à un éclatement en chaîne de la zone euro. Donc, c'est ce que je disais dans cet article et ce que je vous redis ici. Il est possible que le Covid-19 amène à l'éclatement de la zone euro. Alors, merci beaucoup pour cette excellente analyse, Charles-Henri. Donc, selon toi, d'une part, l'Italie a plus de chances de sortir de la zone euro avant la France. Oui, c'est ce que je pense, parce qu'il y a un autre aspect, même si ça ne se fait pas par une crise financière, mais je pense que c'est possible. En Italie, il y a un ressentiment énorme contre l'Union européenne du fait de cette crise. Il faut savoir que l'Italie avait appelé à l'aide dès fin février. Aucune aide n'est venue, ça a été même tout le contraire. L'Allemagne a refusé les exportations dans un premier temps vers l'Italie. Et qui est venu au secours de l'Italie? Ça a été des pays qui n'étaient pas en Union européenne, à savoir la Chine, Venezuela, Cuba et même la Russie. Donc les Italiens ont un ressentiment énorme et ça se concrétise. On voit des Italiens qui brûlent des drapeaux de l'Union européenne sur Internet. Et on voit surtout le vice-président de la Chambre des députés, Fabio Rampelli, qui, lui, a enlevé le drapeau de l'Union européenne et l'a remplacé par un drapeau italien. Et on voit dans un live avant-hier, Matteo Salvini qui expliquait, quand on lui posait la question d'un référendum sur la sortie de l'UE, il a dit que ce serait parfaitement compréhensible d'en faire un. Et surtout, parce que ce qui compte à la rigueur, ce n'est pas forcément les politiques, c'est l'opinion publique, il y a un sondage Thermométro qui est sorti en mars et qui montrait pour la première fois qu'il y aurait une majorité d'Italiens qui seraient favorables à un Italexit. Donc si la sortie ne vient pas d'une crise financière, on pourra avoir un match retour, si j'ose dire, et l'opposition italienne qui arrivera au pouvoir. Et ils pourraient, vu les conditions, faire une campagne sur l'Italexit. Et s'ils ne le font pas et qu'ils n'ont pas le courage de le faire, on pourrait
à minima imaginer un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Ok, ça me semble très clair. Alors écoutez, dans le chat, on n'arrête pas de me dire d'essayer d'ajuster mon micro. Donc vous allez voir une petite passe technique où vous allez voir maintenant dans le stream quelque chose d'étrange. Je vais donc baisser le micro de mes invités. Continuez à parler les amis s'il vous plaît, si tu veux bien parler un petit peu Pierre-Yves. Désolé de ce test technique. Et normalement, ça devrait être bon. Je pense que maintenant, vous allez mieux m'entendre. Alors, je vais rendre la parole à Pierre-Yves parce que, bon, d'une part, Charles-Henri a donné évidemment une analyse très claire de la propensité de l'Italie à quitter la zone euro, d'abord même de sa préparation politique, quoi, de la préparation de son peuple, d'une part, et de ses élus, d'autre part. Pierre-Yves, évidemment, toi qui es politologue et qui connais très très bien les rapports de force dans cette république parlementaire qu'est l'Italie, hein, n'oublions pas que l'Italie a une république parlementaire comme la quatrième, comment vois-tu le rapport de force et comment vois-tu en fait l'évolution d'une sortie de la zone euro pour l'Italie? Alors, moi, je ne peux que souscrire à la brillante analyse de Charles-Henri sur le cas italien. Là où nous en sommes, disons que en réalité, la stratégie de Salvini, si elle a été perdante, disons, dans un premier temps, c'est-à-dire je pense qu'il a surévalué ses forces et donc il est rentré dans l'opposition, c'est d'ailleurs pour ça que ça a dû le surprendre lui-même. Sa stratégie à long terme a été payante. Quelle a été la stratégie de Salvini? Vous savez, mes camarades, en France, on aime bien les débats idiots, donc on a un débat Union nationale ou Union des droites, hein, comme débat idiot, ça se pose là. Eh bien, en réalité, Salvini a truqué ce débat-là en Italie. C'est-à-dire qu'il a pris l'appareil de la Lega, donc appareil de droite et anciennement même de droite radicale, et en réalité, on a fait un parti, souverainiste assez dur par le recrutement d'une partie de la gauche souverainiste, dont le ralliement le plus connu, mais qui n'a pas été le seul, fut celui d'Alberto Banai. Ben. Il était de quel parti déjà, Alberto Banai, si tu peux rappeler à notre audience? Ben là, c'est simple, c'est le parallèle parfait de sa pierre en Italie. Donc c'est quelqu'un qui est, disons, d'une gauche assez prononcée. Voilà, d'une gauche assez dure, il serait certainement qualifié de mélanchoniste en France. Je voulais vraiment pas te couper, mais donc pour notre audience, en Italie, il y a déjà de fait, parce que c'est une république parlementaire, une union entre la droite d'inspiration plutôt radicale, effectivement la Lega, enfin en tout cas la Lega à une époque avait même envisagé, je crois, la sécession entre le Nord et le Sud, enfin ils avaient lancé l'idée, mais je pense pas qu'il l'ait envisagé plus que ça, et en même temps donc un parti profondément mélanchoniste, corrige-moi si je me trompe. Alors, disons que comme ça n'a pas pu avoir lieu, vu que la concorde entre 5 étoiles et la Lega a fini par exploser, du simple fait qu'à chaque élection locale, la Lega mangeait la laine sur le dos de 5 étoiles, parce que c'était avant tout ça le problème, disons que Salvini, vu qu'il savait qu'il avait un déficit de cadre, a recruté des gens qui étaient du profil de 5 étoiles et les a rhabillés en élus de la Lega. Ce qui est une manière assez originale de trancher le débat. Les hommes de Salvini sont techniquement prêts à affronter la fin de l'euro. La seule chose, et il y a deux éléments qui, à titre personnel, m'effraient. Premièrement, le changement potentiel de majorité aux États-Unis. N'oublions pas que quand Donald Trump est le premier président américain depuis 1920 à être indifférent à la construction européenne, et voire même légèrement hostile, mais du moins indifférent, s'il tombe et que dans le pire des cas pour nous, Joe Biden serait le nouveau président des États-Unis, celui-ci ramènerait avec lui les Clintoniens, la fondation Albright, et, tout ce que l'Union européenne a adulé et adule encore comme maître.
Et là, l'Italie aurait, je vous rappelle que l'Italie comporte un certain nombre de bases américaines, l'Italie aurait un problème de poids parce que, je vous rappelle, qu'à la demande de David Cameron, Barack Obama était venu quasiment menacer le peuple britannique. Là, pour le coup, il y aurait certainement bien pire vis-à-vis de l'Italie, parce que le retour des Wilsoniens fait que ces Américains-là ne laisseront pas l'Union européenne se défaire. Ils ont mis trop longtemps à l'encourager. C'est pour moi ce qui pourrait être le plus dangereux. Le deuxième élément qui fait que je suis d'un optimisme mesuré est les révolutionnaires italiens ont historiquement le sens, comme se définit légèrement Salvini, ont souvent tendance à caler en chemin. Et j'ai très peur que Salvini, au nom de fantasmes qui se répandent comme des feux de brousse dans ses troupes, particulièrement ceux qui sont au Parlement européen, qu'un jour ou l'autre, on pourrait prendre le pouvoir à l'échelle de l'UE et avoir une coalition de partis de droite radicale, ce qui relève d'un fantasme, disons, d'un fantasme prépubère. J'ai peur que ça l'arrête. Je n'ai pas peur sur le fait qu'il termine ce qui reste de 5 étoiles et qu'il l'avale, qu'il puisse faire une coalition avec lui en position de force lourde avec ce qui restera des partis berlusconiens plus les partis de fraternité italienne qui sont les souverainistes certainement les plus durs et les plus cohérents. Je n'ai pas trop de soucis. La seule chose, c'est que ça fait beaucoup de pression pour un homme dont, à titre personnel, je l'ai vu travailler au Parlement européen. C'est un bosseur, contrairement à des personnalités, disons, populistes, enfin, réputées telles en France. Mais j'ai peur qu'il fasse un refus d'obstacle. Ok, merci pour cette excellente analyse. Et effectivement, conformément au projet de ce live, nous allons bien sûr revenir à la France, c'est-à-dire maintenant le cœur du sujet, proposition pour la France d'après, comme vous le voyez dans le sous-titre de ce live. Il fallait qu'on fasse un tour d'horizon parce que de la même façon que l'Italie nous a appris comment allait évoluer la crise du coronavirus, puisqu'ils avaient 13 jours d'avance dans la propagation de cette maladie et que tout ce qui leur est arrivé nous a été répercuté avec 13 jours. Les analyses, bien sûr, de Charles-Henri et de Pierre-Yves étaient bien entendu très pertinentes sur si l'Italie est en train de le faire, peut le faire, est en position de le faire, et d'après, Charles-Henri va très certainement le faire avant la France, c'est-à-dire la sortie de l'euro. Maintenant, donc, revenons à la France. Nous sommes sortis de l'euro. Nous avons récupéré notre souveraineté, nous avons engagé un audit, en particulier judiciaire, mais pas que, de la dette. Alors, d'abord, première question, mais s'il te plaît, Pierre, je te demanderai une réponse rapide. Combien de temps prendrait un audit judiciaire de la dette? La partie judiciaire d'un audit de la dette, ça prend combien de temps à peu près? C'est 6 mois, 1 an? Peux-tu répéter? Et ça a légèrement bugué pour moi. Pardonne-moi, je disais, selon toi... Je voudrais simplement une réponse rapide. L'audit judiciaire de la dette, ça prendrait combien de temps, côté français? 6 mois, 1 an? Si tu veux, faut quand même revenir 40 ans en arrière. Si on met les moyens avec une équipe de juristes spécialisés en un an et demi, je ne vois pas. Il faudrait quand même des magistrats spécialisés qui ne travaillent que sur ce sujet. Mmh. Et d'un côté, ça redorerait un tout petit peu le blason d'une autorité judiciaire que les Français tiennent en horreur et à raison. Par contre, ça va être un travail long et malheureusement, je ne suis pas certain que nous allons apprécier ce que nous allons trouver, je le dis sincèrement. Oui, mais ça montrera que la France a été capable de prendre l'initiative d'un tel audit. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors, ensuite, là, c'est plutôt pour Charles-Henri.
On monte un fonds souverain, bien sûr, ce qui est aussi une idée de Pierre-Yves Rougeron, un fonds souverain notamment, entre autres, basé, garanti par nos réserves de nodules polymétalliques. Alors, Charles-Henri, si tu voudras bien nous rappeler ce que sont ces nodules polymétalliques et pourquoi on peut les dégager dans la mise en place d'un fonds souverain, mais pas que. Et donc, selon toi, Charles-Henri, on met en place un fonds souverain, combien d'argent avons-nous à disposition l'année suivante et à quoi faut-il l'employer en priorité? En fait, l'idée du fonds souverain est intéressante, mais j'ai envie de dire ça que un fonds souverain, par exemple comme à la Norvège, c'est souvent quand on est basé sur une rente. La France, on est moins dans un concept de rente, mais l'avantage d'être sorti de l'Union européenne et de l'euro, c'est que la Banque de France retrouve sa fonction de financier de l'État. Et étant financier de l'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État peut prendre des parts directement dans les entreprises stratégiques et dans les entreprises qu'elles considèrent comme stratégiques. Et c'est, je pense, la méthode, en tout cas, qui doit être mise en place. On le voit assez ces derniers temps. Et si on parle tout à l'heure justement de la France maritime, la catastrophe justement au niveau d'Alstom, de la vente de la branche énergie, la cession des chantiers STX, tout ceci, s'il y avait un État stratège et justement qui était prêt à prendre des parts dans l'économie, on pourrait le faire finalement via le financement de la Banque de France. Alors, si c'est l'idée de Pierre-Yves, peut-être qu'il peut plus détailler ce qu'il voudrait faire par cette idée de fonds, mais moi, comme ça, et c'est en tout cas nous ce qu'on veut mettre en place, l'État peut directement intervenir via le financement justement de la Banque de France. Oui, absolument, Pierre-Yves, tu as la parole. Toujours sur cette question d'un fonds souverain, combien pouvons-nous lever, en combien de temps et dans quoi devons-nous le mettre le plus rapidement possible? Alors, à titre personnel, disons que ce sont des points qu'on avait travaillé au CAPEC, avec entre autres un de mes bons amis qui est Philippe Murer. Il y a plusieurs possibilités. Premièrement, on peut utiliser déjà des produits que les Français plébiscitent. Je pense ça évitera aux banques de se servir dessus à un moment ou à un autre. Je pense à l'assurance vie, à beaucoup d'autres, ce qui permettrait de rétablir le lien de copropriétaires de leur économie nationale que les Français avaient dans les années 60 avec, disons, le fait de rebâtir progressivement un circuit du Trésor, déjà, Donc, pardon, je premièrement. ne veux vraiment pas te couper, mais Deuxièmement. donc, est-ce que tu suggères un scénario plus à la japonaise? Pour notre audience, les Japonais détiennent une majorité de leurs dettes et ont une politique d'investissement même à l'échelle familiale très patriotique, aussi bien d'ailleurs sur les assurances-vie que l'équivalent du livret A au Japon. Est-ce que c'est plutôt ça que tu préconises pour rendre ça plus clair? Alors, attention, c'est l'une des choses qui est possible, sachant que le vrai problème de l'économie japonaise, c'est tout simplement que l'économie, c'est avant tout des hommes, et que le Japon, et c'est d'ailleurs pour ça qu'une partie des stratégies économiques du Japon échouent, c'est que, si tu veux, la dette, ça couvre toujours quelque chose. Tu vois? La dette de la France a couvert le vrai problème, qui est sa désindustrialisation. Les problèmes de dette au Japon couvre avant tout un hiver démographique extraordinairement dangereux. D'ailleurs, est-ce qu'en quelques mots, tu Donc, peux expliquer à notre audience comment il a été possible d'être à la fois endetté et pardon? désindustrialisé, et surtout si, selon toi, c'est quelque chose d'inique ou pas? Pardon, mon camarade? Ah, pardon. Est-ce que je peux expliquer? Voilà, est-ce que tu peux expliquer rapidement à notre audience, mais très simplement, comment il est possible d'être à la fois désindustrialisé et surendetté? Ce qui est quand même un paradoxe. Et est-ce que selon toi, c'est moral ou pas? Bah, à vrai dire, c'est assez simple. Quand, si tu veux, là je renvoie aux travaux d'Eric Reinert, donc le grand spécialiste à l'échelle globale du protectionnisme, vu que c'est quelqu'un qui est, disons, qui est un des conseillers, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en Corée du Sud ou en Chine. C'est un homme dont les élèves se trimballent un peu partout. Et si tu veux, ce qu'on oublie, c'est que la plus grande marge d'innovation, c'est pas dans les services qu'on la trouve. C'est toujours dans l'industrie. Donc quand tu vas te désindustrialiser, tu vas régresser scientifiquement, mécaniquement,
tu peux te planquer derrière l'idée qui était que Guimauve le Conquérant, plus connu sous le nom de François Hollande, adorait, que les peuples occidentaux étant intellectuellement supérieurs, ils allaient faire du service, pendant ce temps-là, les autres feraient des chaussettes. Au passage, c'est la dernière idée raciste qui est le droit de citer au monde. Oui, c'est vrai. Parce que c'est une idée raciste. Si tu veux, quelqu'un l'avait fait remarquer à Hollande, candidat à l'époque, et ça n'avait pas eu l'air de le frapper, vous me direz, pour le peu qu'il l'ait frappé. Le vrai problème, c'est que quand tu vas perdre ton industrie, tu vas perdre avant tout, tu vas perdre des savoir-faire, tu vas perdre une capacité d'innovation, tu vas perdre des nids de main-d'œuvre que le service ne pourra pas disons avaler comme un buvoir bois l'encre. Et qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas devoir faire du traitement social du chômage ou tu vas devoir faire de la pauvreté de masse, au choix. Dans les deux cas, tu feras à terme augmenter la dette. Alors que tu l'augmentes de manière franche en disant « Oui, monsieur, j'ai 10% de chômeurs » et encore, on ment. Enfin, je ne sais pas ce qu'en parle Charles-Henri, mais le 10% de chômeurs, à titre personnel, j'y crois comme dans la profession de foi de Sibeth Ndiaye. Ou alors, tu fais comme les États-Unis, tu dis « Moi, je n'ai que 3,5% de chômeurs », du moins un chiffre récent, vu que là, ça va monter en flèche, mais tu as quand même 30 millions de tickets de rationnement. Donc, ils ne sont plus chômeurs, ils sont pauvres. Donc, c'est également le choix qui a fait la... Pardon, juste avant de redonner la parole à Charles-Henri, en fermant cette parenthèse pour expliquer à notre audience comment il est possible d'être surendetté et désindustrialisé, ce qui est quand même la double peine, surtout en particulier concernant l'économie réelle, quoi, concernant la richesse perçue par les Français. Donc, est-ce que aussi tu peux nous dire, tu as fondé un fonds souverain, réexplique ce que sont ces nodules polymétalliques sur lesquels on pourrait engager une partie, mais pas que, et dans quoi tu mettrais de quelle manière prioritaire tu mobiliserais cet argent, et si tu peux nous dire évidemment à peu près quel volume d'argent ça représenterait. Alors, si tu veux, imaginons qu'on aille dans l'investissement, dans la monétisation jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à aller. Moi, je ne pense pas que ça puisse aller au-dessus de 10% PIB par an. Autrement dit, ça fait 200 milliards, ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme. En plus, nous n'aurons même pas besoin de toute cette masse, parce que Charles-Henri l'a très bien dit, nous allons pouvoir à la fois réinvestir, mais également, il y a une chose dont on n'a pas encore tout à fait parlé, nous allons avoir les bienfaits de la dévaluation, ce qui n'est pas rien. Alors, explique à notre audience les bienfaits de la dévaluation, parce que ça, pour la plupart des gens, ça fait peur. Mais si tu peux expliquer simplement que l'Islande l'a pratiqué. On leur a foutu les jetons en leur disant quoi ? Oh, ça va faire la grande méchante inflation. Et l'inflation, c'est Weimar. Et Weimar, c'est les brouettes. Et vous allez aller avec des brouettes pour acheter vos croissants. Tout ceci est un conte pour enfants. Et un conte pour enfants de piètre qualité. Hein. C'est un conte pour enfants écrit par Frédéric Mitterrand. Donc, l'inflation, déjà l'hyperinflation, on va se vacciner contre un fantasme. L'hyperinflation est quelque chose d'extrêmement rare et quelque chose qui a pu avoir lieu peut-être, et encore ce n'est même pas dit techniquement parlant, vu qu'il y a un débat sur la question. Peut-être relativement récemment au Venezuela, ce n'est même pas sûr, mais au moins au XXe siècle, il y a eu quelques cas. Le Zimbabwe, Weimar, qui est à titre historiographique, il y a une grande querelle là-dessus, mais à titre personnel, je n'hésiterai pas à qualifier de faillite volontaire, et entre autres pour éviter d'avoir à solder des réparations de guerre. Mais l'hyperinflation, c'est quelque chose d'extrêmement rare, qui n'a pas eu lieu en France. Je rappelle que dans ces terribles années 60 de modèle soviétique avec une inflation galopante, l'inflation calculée, c'est 3,5% par an. Or, il y a des gens qui n'aiment pas l'inflation quand celle-ci surtout est équilibrée par l'échelle des salaires, c'est-à-dire que les salaires suivent l'inflation, et il y a des gens qui n'aiment pas qui préfèrent l'inflation d'actifs, qui elle a toujours lieu aujourd'hui,
alors que le mandat des banques centrales actuellement est de lutter contre l'inflation coûte que coûte. Pourquoi ? Parce que l'inflation, quand elle est modérée, quand elle est maîtrisée, mais ça la France sait faire, a quelque chose pour elle, c'est qu'elle pénalise l'argent dormant. Ouais. Donc elle pénalise ce qu'on appelait dans le temps la rente, ce qu'on appelle aujourd'hui la, une partie du monde financier n'est pas, ne fait même pas de la finance au sens de l'ancien des anciennes banques d'affaires. Hein, cette capacité d'investissement a quasiment disparu des marchés financiers. Du moins, elle est devenue minoritaire. Et aujourd'hui, ce qui est en face de nous, c'est le retour de la grande rente. Et évidemment, on n'aime pas l'inflation à cause de ça. Mais il y aura une inflation tout à fait maîtrisée. Il n'y a aucune raison que ça dérape, surtout dans une société qui a vécu sans inflation et qui en a été meurtrie, vu que la France a vécu, comme l'Italie, comme les États-Unis, comme tous les pays, avec une inflation modérée, mais qui étouffe totalement l'inflation, étouffe la croissance. Voilà. Bon, c'est à ce jeu qu'ont joué certains banquiers centraux. Je vais reprendre sur le sujet donc maintenant du fonds souverain, parce que je pense que tu as très bien expliqué ça. Donc maintenant, tu as le contrôle de ce fonds souverain qui sera doté donc autour de 200 milliards de francs français, on peut estimer que c'est des francs français qui auront à peu près la même parité qu'avec le franc suisse d'il y a 6 mois, quoi. Ça devrait être à peu près ça, même si l'euro est un peu menacé aujourd'hui. L'euro est égal au franc suisse, mais avant, les Suisses mettaient un point d'honneur à avoir un franc inférieur à l'euro pour stimuler leurs exports notamment. Donc tu es à la tête d'un fonds qui a 200 milliards de francs français qui valent autour de 0,9 euros chacun. Qu'est-ce que tu en fais ? Alors, pour moi, il y a quatre dossiers prioritaires. Alors attention, hein, là pour le... on va essayer d'éviter l'inventaire à la Prévert, il faut un plan cohérent. Le premier point cohérent, c'est de réinvestir le régalien. Nous allons avoir besoin d'au moins 100 000 douaniers, déjà, parce que la sortie de l'euro, c'est aussi le retour d'un contrôle aux frontières. Alors attention, qu'on vienne pas nous... personne ne va être encaserné. Non, mais à la seule Suisse, chose, c'est que les Suisses ont des douaniers partout. Oui. Ça choque personne en Suisse. Voilà. Donc, si tu veux, premièrement, deuxièmement, de sortir l'armée française, qui est une armée de lions qui se bat en lambeaux, et dont les problèmes matériels font que nous mettons nos hommes en danger. Enfin, ils se bricolent eux-mêmes leur gilet pare-balles. Ouais, merde. Tout à fait. Ils se bricolent aussi leurs pièces de fusil d'assaut. Voilà. Donc, premièrement, ce qui nous permettra au passage de refaire des chaînes, je pense, ou chaînes de munitions de petit calibre ou des trucs de ce goût-là. Je pense également au réarmement moral de la police et de la justice, qui nous permettront au passage. Et là, par contre, ça n'engage que moi. Je n'ai pas envie qu'on reproche à Charles-Henri ce que je vais dire. Mais ce qui nous permettra quand même de faire un audit des recrutements depuis quelques années dans ces deux corps qui se sont particulièrement illustrés quand il a fallu couper des mains, crever des yeux et faire condamner des prolos, ce qui permettra quand même de mettre... D'un certain préfet de Paris, là. Bah, je dis que c'est terrible de donner de si grandes casquettes à des gens alors qu'ils n'ont pas de tronche à mettre en dessous. Mais le grand problème, si tu veux, c'est qu'une partie, pour retrouver là encore l'esprit de la concorde civique, pour sortir de l'esprit de guerre civile sur lequel Emmanuel Macron n'a fait que jouer pour pouvoir flatter le bloc élitaire et pour pouvoir flatter la haine du prolo, et qui gouverne par la haine de classe, fait prendre des risques de sécurité publique et d'unité territoriale à terme. Je ne sais pas tout à fait s'il mesure ce qu'il est en train de faire, et de toute façon, si lui ne le mesure pas, ce n'est pas Marlène Schiappa et Christophe Castaner qui va le faire. Donc, si tu veux, d'essayer de remettre un sentiment de filia, d'amitié civique, et pour ça, de refaire une politique de justice, donc d'abord de remettre le régalien. Le régalien nous permettra... Deuxième effet de cohérence, de travailler la cohérence territoriale, parce que nous avons des territoires qui ont été abandonnés, des territoires qui ont été pillés, qui ont été laissés à l'abandon, qui sont devenus de véritables chancres sociaux
et économiques, et qui en plus sont devenus le, entre guillemets, le refuge d'une partie de la criminalité que les grandes villes refusent, et qui prennent maintenant des bases arrières de plus en plus dans ce qu'on appelle aujourd'hui la France périphérique, qui, quand j'étais petit, on appelait ça la France profonde. Donc, ça le, dit dans la barre de dialogue, Pierre-Yves voilà. Président, que tu saches. Hein. Je termine juste, désolé, je voulais vraiment pas Dieu te couper. c'est ce que ça dit. Dieu vous en garde. Mais le, ouais. Donc, le, si tu veux, tu vois, on passe du régalien au territorial. Ouais. On continue dans le territorial, effet de cohérence. À titre personnel, il y a un excellent bouquin que je vous enverrai à tous les deux, si vous voulez, qui va sortir de Philippe Murer sur les potentialités d'une utilisation intelligente de l'écologie. Donc que personne, je le dis sincèrement, que personne ne l'envoie à Yannick Jadot, je ne veux pas être responsable de son AVC. Mais on serait capable de me le mettre sur le dos. Or, nous pouvons faire justement de réenraciner territorialement l'économie. Par contre, ça va être un travail long. Il n'y a pas de recette miracle. On va pas raser gratis. Mais à partir de ça, on peut faire retrouver une part de dignité à toute notre population. Et ça, ça n'a pas de prix. Je rappelle que la dignité sociale comme programme, c'est comme l'indépendance nationale, ça coûte toujours moins cher que l'inverse. Les politiques d'humiliation se payent à terme, ce sont des politiques court-termistes, et les politiques de dépendance nationale, aussi, bénéfiques comptablement que certains osent les présenter, sont toujours des catastrophes à long terme, et cette crise vient de nous le rappeler douloureusement. Excellente donc, conclusion. Pardonne-moi, je dois vraiment donner plus de, voilà, de la parole pas, à Charles Henry, mais on peut conclure donc sur ton excellent propos avec la fameuse citation d'Alexandre Astier, « Les grands chefs de guerre se battent toujours pour la dignité des faibles ». Alors, même question bien sûr pour toi Charles Henry, tu es à la tête d'un fonds souverain, alors tu peux même décider bien sûr si selon toi ça devrait être plus que 10% du PIB ou moins, et donc tu as le contrôle de ce fonds souverain, dans quoi tu investis en priorité? Alors moi je pense que la monétisation pour ma part ça ne doit pas dépasser pour des problématiques d'inflation à peu près 5%, mais bon ça après ça, de toute façon ça peut évidemment se discuter. Pardonne-moi, en revanche, tu l'ouvrirais à un référendum ou pas? Ou tu le laisserais à un groupe d'économistes? Tu penses qu'il faudrait ouvrir cette question de la proportion du PIB dans le fonds souverain? Disons que c'est à l'initiative de l'État, mais après, comme je suis favorable de toute façon au RIC, et ça avait été dit, moi je suis favorable à la fois à la Ve République et au RIC, parce que bon, le problème de la Ve République, c'est qu'elle a été gravement dénaturée par les changements de la Constitution après De Gaulle. Mais pour moi, il manque quelque chose, parce que la Ve République, c'est pour De Gaulle, mais il manque un... On salue d'ailleurs Étienne Chouard, un des grands parrains du référendum d'initiative citoyenne en France. Et il manque justement ce contre-pouvoir, parce que la cinquième, avec un homme vertueux comme De Gaulle, elle était très bien. Le problème, c'est qu'avec des Macron, Hollande ou Sarkozy, c'est beaucoup moins bien. Donc il faut ce contre-pouvoir. Ce contre-pouvoir, quand on est démocrate, ça doit venir du peuple. Et même si ce n'est pas un référendum qui est prévu d'initiative présidentielle, mais si le peuple se saisir justement d'une part de monétisation, évidemment que via le RIC, c'est quelque chose qui est possible. Après, l'idée, les sujets régaliens ont été évoqués. Disons qu'il y a deux sujets. Il y a d'une part la dépense publique classique et d'autre part les investissements. Dans la dépense publique classique, il est évident qu'il y a un effort à faire. On l'a vu sur la santé, sur les hôpitaux. Nos infirmières sont sous-payées par rapport à la population quand on compare aux autres pays de l'OCDE. Mais donc là, il y a un effort à faire. Moins que le Mexique. Exactement, voilà. Il y a un effort. En comparaison de la population. Il y a un effort à faire aussi sur nos professeurs qui sont maltraités, donc il y a des efforts à faire de ce côté-là. Après, il y a tout l'investissement, il y a tout le régalien et les activités stratégiques. Il y a deux parts d'investissement possibles. Je ne suis pas, évidemment, je suis pour la présence de l'État et on sait que toutes les grandes initiatives dans l'histoire de la France ont été à l'initiative de l'État, mais je ne suis pas non plus pour que l'État participe dans tous les secteurs de l'économie. Et un élément qui me paraît intéressant, c'est de développer, ça c'est une vieille idée gaulliste, de développer justement la participation, notamment la participation des salariés au sein même de leur entreprise, justement pour que les salariés soient même propriétaires. Et c'est vertueux à de nombreux égards. C'est vertueux parce que ça
empêche justement la prise de contrôle par des étrangers justement de ces entreprises-là. Et surtout, ça permet aux salariés qui soient, si j'ose dire, solidaires de la direction et d'avoir finalement toute une entreprise qui va dans le même sens parce que les intérêts des salariés sont les mêmes finalement que ceux des dirigeants. Oui, permets-moi cette parenthèse, je ne veux vraiment pas te couper, mais pour notre audience, c'est un cas très concret. La société Eiffage dans les bâtiments et travaux publics en France s'est défendue à une époque d'une OPA hostile de l'espagnol Sacyr par le contrôle de ses employés, parce que ses employés sont montés à son capital. Et puis côté espagnol, on a bien sûr la plus grande coopérative au monde carrément qui s'appelle Corporación Mondragón, que tu dois connaître évidemment Charles-Henri étant hispanisant que tu es, et qui est donc la plus grande coopérative au monde et qui a même sa propre université. Donc c'est quelque chose, j'abonde dans ton sens et pardonne-moi de t'avoir interrompu. Non, il n'y a pas de souci. Alors, parce qu'il y a finalement, il y a cette solution-là des salariés, mais il y a aussi la solution des Français. Et ça, c'est un peu ce que préconisait Pierre-Yves avant, c'est-à-dire, quand il parlait des assurances-vie, de réorienter l'épargne des Français, justement, vers des investissements, vers des entreprises françaises, et notamment les entreprises stratégiques. Après, il y a les secteurs du... Exactement. Et après, il y a les secteurs du régalien dont il a parlé. Et ça, c'est fondamental. Et il faut mettre le paquet sur tout ce qui est, justement, défense et armement. Il est primordial que 100% à terme de l'approvisionnement soit français. On sait très bien que ça a été dit, d'ailleurs, ni nos munitions, ni nos fusils d'assaut sont français. C'est complètement délirant. Même les voitures de la police, parfois, ne sont pas français. Donc là, il y a tout un travail, une réappropriation d'indépendance nationale et de souveraineté sur tous ces parts-là. Et évidemment qu'un fonds souverain et un investissement de l'État dans ces chaînes-là qui sont primordiales pour notre sécurité doivent être faits. Donc ça, c'est des éléments concrets qui doivent être mis en place dès le début et qui permettra justement de changer ça. Et après, il y a toute la dimension sur tout ce qui n'est pas régalien de la réindustrialisation, parce que ça a été dit et c'est fondamental. Il y a déjà des éléments intéressants qui ont été dits, mais il faut savoir qu'un pays qui n'a pas de secteur primaire, donc l'agriculture, et de secteur secondaire, il n'existe pas au niveau mondial, parce que les services, c'est bien gentil, on nous a vendu l'économie du tout-service, mais le service, à part quelques produits d'assurance ou autres, ce que font beaucoup les Britanniques, le service globalement ne s'exporte pas. Et donc la richesse d'un pays, mine de rien, c'est déjà d'avoir à minima un commerce extérieur qui soit positif. En France, on a un déficit commercial majeur depuis qu'on a l'euro. Et donc il faut justement être très à cheval sur ces secteurs-là parce que c'est fondamental. Vous avez un emploi industriel, c'est 2 à 3 emplois de service qui sont liés. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous détruisez justement l'industrie comme ça a été fait depuis plusieurs années? Vous avez un chômage de masse qui se crée. Effectivement, les 10%, moi, j'y crois pas non plus. Je ne regarde pas d'ailleurs le chômage. Moi, je regarde plutôt le taux d'emploi, qui est plus difficilement maquillable que le chômage. Quand on regarde le taux d'emploi en France, il est à 65%. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Au Royaume-Uni, par exemple, d'ailleurs, le taux d'emploi n'a cessé de monter depuis le vote du Brexit. Il est maintenant à 76,5%. Vous montrez la différence. Donc, c'est-à-dire que le taux de chômage, évidemment, est imparfait. Et ça, c'est aussi problématique, ça a été dit pour la question territoriale, parce que moi, vous savez que je viens de la France rurale, je viens de la Nièvre, et c'est typiquement ce genre de département ou ce genre de ville moyenne, comme Nevers, 40 000 habitants, ces villes-là, ces territoires-là, vivaient avant... parce que vous aviez une ou deux grosses usines qui, avec justement les contrats de services connexes et autres, faisaient vivre toute la région. Maintenant, je peux vous le dire, des gens qui sont de la Nièvre, parmi mes amis d'enfance, mes amis de lycée, il n'y en a que un ou deux qui sont restés. Tout le monde a dû partir parce qu'il n'y a pas de travail dans ces régions-là, parce qu'il n'y a plus justement cette usine, ces grosses usines qui faisaient vivre tous ces territoires et toute cette France périphérique. Et cette France périphérique, c'est toutes les fractures françaises, c'est la France des gilets jaunes, la France périphérique, toutes ces villes moyennes, 40, 50 000 habitants, qui n'ont plus de travail, n'ont pas de service public, sont obligés justement d'utiliser leur voiture. Pardonne-moi juste, Pierre-Yves, tu demandais la parole. Il ne fallait pas couper Charles-Henri pour autant. Avant ta prochaine question, je voulais rebondir sur quelque chose que Charles-Henri avait dit, mais laisse-le terminer. Ok, pardonne-moi Charles-Henri, autant pour moi. Non, il n'y a pas de souci. Je disais que c'est typiquement cette France des gilets jaunes qui, d'une part, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de service public quasiment. Donc évidemment, la SNCF a été tuée, notamment dans le cadre européen. On a démantelé complètement la SNCF et ça continue, qui a maintenant un fonctionnement d'entreprise privée et pas du tout de service public, d'égalité du territoire, d'apporter le même service partout au coût le plus faible. On n'est plus du tout là. Et donc, finalement, il n'y a plus la possibilité d'aller en train. Ces gens-là, c'est ces gens
qui doivent prendre la voiture pour aller faire des courses parce qu'il n'y a pas de supermarché forcément juste à côté ou de commerce de proximité, qui doivent prendre leurs courses quand ils ont leur voiture, quand ils ont un travail pour aller travailler. Et donc, c'est quelque chose qui est essentiel dans toute cette France périphérique. Et qu'est-ce qu'a fait Macron ? D'ailleurs, c'était en réponse à Bruxelles pour financer justement, entre autres, le CICE. Il avait été décidé justement d'augmenter cette taxe et donc d'augmenter les prix des carburants. C'était une augmentation quand même de 9 centimes, ce qui est colossal sur l'essence. Et donc, c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Et on voit que l'essence, en grande majorité, ce sont des taxes. Et Macron avait augmenté encore ces taxes. Et pour des gens qui gagnent 1500, 1600, 1700 euros, voire parfois moins, cette augmentation, et qui avait du mal à joindre les deux bouts, cette augmentation du carburant, elle est insupportable. Et c'est ça, ce mouvement des Gilets jaunes, même si après, il y a eu beaucoup plus de demandes qui ont été mises en parallèle. La demande, évidemment, du RIC, demande de plus de démocratie et de plus de justice sociale. Il y a tout ça qui est venu après. Mais d'abord, c'était une France périphérique qui disait « Non, moi, je ne veux pas mourir » et qui s'est mobilisée. Et ça c'est beau, ça, c'est louable. Mais malheureusement, c'est dans un cadre plus global. C'est dans ce cadre, on parlait tout à l'heure de la dette. Mais la dette, qu'est-ce que c'est si ce n'est le couple, justement, Union européenne et libre-échange total, qui lui-même vient directement des traités européens et sont imposés par les traités européens. Et donc, c'est évidemment tout ça qu'on pourra changer en ayant une France à nouveau indépendante. Et on pourra, filière par filière, avoir un travail, justement, de réappropriation et d'indépendance de la France. Et bien évidemment, un travail de relocalisation, ça a deux vertus. La vertu, évidemment, de l'emploi, la vertu industrielle, de récupérer de l'industrie et de l'emploi. Et on a parlé tout à l'heure un petit peu d'écologie, on va peut-être y revenir. C'est une vertu écologique parce que ce qui est le plus écologique, c'est évidemment de consommer local plutôt que de faire venir des produits à 25 000 km de là. Et donc, c'est toute cette stratégie de relocalisation de la production, de réappropriation de la production par les Français qui sera à mettre en place dès J+1. Il faudra commencer à travailler dessus et on sera évidemment aidé par le fait d'avoir retrouvé le franc et une monnaie qui sera plus adaptée à notre économie et qui améliorera la compétitivité de l'économie française. Alors, Pierre-Yves, si tu veux bien, pour ton intervention, puis ensuite j'ai juste un... Juste un léger point, mes camarades. Il faut bien comprendre, je parle particulièrement, là pour le coup, à nos auditeurs ou à nos détracteurs, qui vont se servir de la figure de l'entrepreneur ou du petit entrepreneur pour, et se planquer derrière, ou ceux qui sont de bonne foi et qui le sont. C'est beaucoup plus sécurisant pour un chef d'entreprise de suivre l'État ou les grandes entreprises publiques, parce qu'il y a une politique d'investissement dans laquelle le petit patron lui va pouvoir s'insérer. C'est beaucoup plus sécurisant pour lui, ça ne gêne pas sa liberté entrepreneuriale, et c'est beaucoup plus sécurisant que d'avoir à faire vivre tout un coin qui a été abandonné de tous sur sa petite exploitation, sa petite industrie. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire, c'est-à-dire que on oppose à tort la classe entreprenante et les salariés, c'est tout ce que Peggy appelait le luttisme de classe, hein, c'est-à-dire quand il y a une vraie lutte des classes et puis il y a une lutte qui est fantasmée et utilisée. La liberté pour l'État permet la liberté en dehors et en dedans. Il ne faut jamais l'oublier. Le couple, c'est souveraineté et liberté. Et donc, même la liberté d'entreprendre, qui ne sera que facilitée par le fait que l'État reprenne la main, ce qui permettra aux poissons petits ou de moyenne taille, ce qui est la plupart des entrepreneurs, nous sommes un pays de TPE-PME, eh bien de suivre des gros poissons sur une route un peu balisée, beaucoup moins dangereuse, et donc avec à terme un taux de maintien d'emploi bien meilleur et un taux de faillite en baisse. Je rappelle que l'un des problèmes de la France est que les boîtes n'arrivent pas à vivre plus de 3 ans. Oui, tout à fait. Je voulais juste rebondir aussi sur ce qu'a dit Charles-Henri. Il évoquait l'écologie et l'agriculture. Vous savez que c'est un sujet qui me passionne. La Hollande a atteint
la plus haute compétitivité agricole au monde, alors qu'elle a un territoire somme toute très ingrat, avec une grande partie de ce territoire sous le niveau de la mer et dans une zone qui n'est pas particulièrement fertile, contrairement à l'Ukraine ou à d'autres espaces géographiques qui ont une terre de très bonne qualité. Et la Hollande est parvenue à avoir donc l'agriculture la plus compétitive au monde par ses techniques, d'ailleurs en réduisant énormément les produits phytosanitaires et même les engrais de synthèse, puisqu'elle a des techniques basées sur l'intelligence artificielle, sur la surveillance de ses cultures. Et en gros, elle a injecté de la connaissance dans sa terre. Bien évidemment, si je dois faire part de mes propres recommandations, c'est une de celles qui m'intéresse le plus. Comment la France pourrait injecter beaucoup de connaissances dans ses territoires? On a parlé du localisme. J'avais signé dans le point il y a 4 ans, je pense, une tribune pour dire que j'aurais voulu qu'Alain Passard fût ministre de l'Agriculture en France. Alain Passard qui est chef 3 étoiles, mais qui a ses propres centres de production potager. Et il militait pour que tout ce qui sort de la terre ait une version grand cru. Que même un topinambour, même un chou, il y ait quelque part quelqu'un qui en soit, qui tire la production vers le haut, comme il y a déjà des AOC sur les tomates, ou sur les pruneaux d'Agen, ou sur les noix de Grenoble. Et il militait pour que on fît ça pour absolument tout ce qui sort de la terre. Donc oui, c'est vrai que ma prescription, hein, ça serait d'irriguer le territoire français de connaissances, au moins au niveau des Coréens et des Néerlandais, qui sont pour moi les deux meilleurs exemples de pays qui ont un territoire ingrat et qui sont parvenus à en tirer le meilleur possible. Je pense aux Coréens qui cultivent carrément la mer, ce sont devenus les leaders mondiaux sur la culture de la mer pour les algues et pour la conchyliculture. On a de très très grands entrepreneurs de la conchyliculture en France comme Florent Tarboriège, que je salue. Et donc moi, c'est quelque chose que j'aimerais voir avec ce fonds souverain. Irriguer la France de connaissances. Tu parlais, Charles-Henri, bien sûr, de la Nièvre. On pourrait parler de Nexter, qui est à Rouen, bon, et qui fait vivre effectivement tout le tissu industriel dans la zone. Et on a tout un tas de dispositions pour pouvoir établir des centres industriels partout en France, comme c'était le cas effectivement dans les années 60, où ça fonctionnait extraordinairement bien. Et de la même façon pour l'agriculture, des réseaux de distribution en circuit court. En certaines parties, on peut avoir, bien sûr, la France est un des pays dont la productivité agricole est la plus élevée au monde. Alors, je regarde rapidement le chat. Alors, on me parle du potager du paresseux sur YouTube. Le principe de la permaculture, oui, bien entendu. On peut l'appliquer en partie. De toute façon, il faut toujours être mixte et hybride. On m'avait parlé du low-tech une fois dans une interview. Et j'avais dit que ce qui marche le mieux, c'est quand on mélange le low-tech et le high-tech. Il ne faut certainement pas tout revenir au low-tech. Ça n'a de sens que si on est rentré dans une catastrophe nucléaire. Mais un bel exemple de mélange de low-tech et de high-tech, c'est par exemple SpaceX, hein, la très, très grande société de lancement de satellites aux États-Unis, qui d'ailleurs est en train de faire de plus en plus de mal à Arianespace, pour des raisons européennes aussi, on pourra en reparler. L'Agence spatiale européenne a bridé Arianespace à beaucoup d'égards dans ses choix stratégiques. Et bien SpaceX, en tout cas, pratique à la fois le low-tech et le high-tech. Ils ont fait une fusée qui est en acier inoxydable, ce qui est complètement low-tech pour de l'aérospatiale, mais ça fait d'ailleurs une très belle fusée au passage, qui fonctionne très bien, mais en même temps, ils font du high-tech. Donc pour la permaculture, mon opinion est la même. Il faut en faire, mais pas que. La France a bien sûr les moyens d'avoir une agriculture compétitive à l'échelle mondiale, mais il faut bien sûr plus équilibrer les deux. Alors, chers amis, Pierre-Yves et Charles-Henri, de quoi aimeriez-vous parler maintenant, toujours sur le sujet Super France? Comment créer une Super France pour le 21e siècle? Je donne la parole à Pierre-Yves pour, si tu vois des sujets dont tu aimerais qu'il soit abordé. Moi, il y en a deux qui me tiennent, enfin, il y en a trois qui me tiennent particulièrement à cœur. Je vais essayer d'être concis et rapide. La théorie de la puissance sur laquelle mes équipes travaillent pour la France, c'est de bien comprendre que, c'est ce que le général avait compris, celui qui fait, disons, gagner du temps à son pays, c'est celui qui voit quelle sera la logique de puissance dans le monde à venir. Bon, on a connu la puissance bête et méchante, je conquiers des cailloux, et je suis le roi telé des cailloux. Bon. Ça nous a coûté un empire colonial qui a failli faire de la France un pays du tiers-monde.
Donc, ça, c'est un type de puissance qui a disparu. Et d'un côté, fort heureusement. Il y a la puissance par le réticulaire, par les réseaux et par les comptoirs. Ce modèle de puissance inventé par l'Angleterre et repris par les Américains au moment de leur superbe, avant qu'ils aient, disons, la tentation impériale qui les a emportés ces dernières années et qui a détruit l'Amérique de l'intérieur. Cette puissance-là, reprise en partie par les Chinois et en partie seulement, ne sera pas, en tout cas, ne se renouvellera certainement pas au XXIe siècle. Celle qui va se renouveler, c'est la puissance comme permanence. C'est-à-dire, quelle forme allons-nous donner à la France au XXIe siècle ? Et celui qui trouvera la forme la plus adaptée à son peuple et au siècle a gagné l'intimbale. Donc, plutôt que de repartir un ordre international qui va être bouleversé, de se lamenter sur le fait que la Chine redevienne la première puissance au monde, ce qu'elle était déjà au XVIIIe siècle, et nous n'en étions pas morts. Je pense qu'il faut travailler sur cette puissance comme permanence. Et quand on travaille sur la puissance comme permanence, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien déjà, on demande la question socratique, qu'est-ce que la France ? La France, c'est un pays européen, c'est vrai. En tout cas, pour notre être métropolitain, c'est tout à fait vrai. Le problème, c'est que l'Europe, au XXIe siècle, il suffit de regarder des courbes démographiques pour s'en convaincre, beaucoup de pays européens, pas tous, n'ont pas un avenir florissant devant eux. C'est quand même un état de fait. Donc, nous accrocher à une zone qui va dévisser mondialement, et peut-être même qui va dévisser comme on tombe sur un oreiller, hein, qui va dévisser sur du coton, mais qui va dévisser quand même, disons que tant mieux pour eux, très peu pour nous. Et donc, quelles sont les autres identités de la France ? Ben, la France, c'est la francophonie. Et c'est une carte qui est à jouer quand on voit la menace stratégique que peut être la surdémographie d'une partie de l'Afrique, menace avant tout pour l'Afrique elle-même. C'est vrai que la démographie africaine, elle est essentiellement anglophone aujourd'hui. Tu pourrais parler du Nigeria. Tout à fait. Si tu veux, c'est eux qui vont devoir la gérer. Mais donc, c'est une communauté de destin, ce n'est pas la seule que nous avons, mais c'en est une. La France est un pays latin, et la latinité, ce n'est pas que l'Espagne et l'Italie, c'est aussi la grande latinité. Il y a tout un continent qui aime beaucoup la France et dans lequel la France ne met pas un pied parce qu'elle a peur de se voir, de voir l'oncle Sam froncer les sourcils. La France est un pays atlantique, et vu que l'Amérique ne pourra pas, maintenir sa tentation impériale éternellement, peut-être que l'Amérique apprendra enfin la notion d'allié, et on ne sait jamais. Et si c'est le cas, il faut être un allié sévère, mais un allié tout de même. En tout cas, quand l'Amérique est juste, ce qui peut lui arriver, il ne faut pas les maudire pour autant, nous sommes un pays eurasien et nous sommes un pays océanique. Voilà, il faut jouer toutes nos cartes et pour ça, mettre en avant des territoires qu'on ose traiter comme des territoires à la remorque, alors qu'ils sont nos pièces avancées dans le monde qui vivra, et le monde qui vivra sera le monde pacifique majoritairement, et qui sont nos territoires et départements d'outre-mer, qui sont les pointes avancées de la puissance de la France, et qui ne doivent pas être vus comme des gens à qui on donne la béquée, comme je le vois trop souvent pensé, trop souvent dit et trop souvent écrit. Et donc, nous devons avoir cette réflexion sur les différents êtres français, sur toutes ces sphères qui font une nouvelle forme française au XXIe siècle. Ce qui nous permettra, et ça c'est le dernier point, de pouvoir gagner ces extraordinaires défis que sont l'économie de la connaissance, la conquête spatiale et beaucoup d'autres choses, cette envie d'avoir envie, comme dirait l'autre, ces grands défis qui sont devant nous, qui nous permettront surtout d'éviter le grand décrochage anthropologique qui est en train d'avoir lieu et qui est, une des grandes menaces sur l'humanité dont on ne parle jamais, c'est qu'à la fin, quand on a naturalisé des inégalités qui sont comme elles n'ont jamais été à l'échelle des hommes, eh bien, on coupe
l'humanité en deux, on prépare un affrontement anthropologique extrêmement dangereux qui mine les pays de l'intérieur et qui les minera entre eux. Et d'un côté, par justement cette nouvelle synthèse, cette nouvelle, comment dire, ce nouveau bonheur d'être français, la France peut conjurer et aider les autres à conjurer ces menaces sur son avenir comme sur le leur. Alors, merci de cette excellente intervention. Je réagis très rapidement au chat parce que c'est vrai qu'il y a une question qu'on avait oublié d'aborder qui est passée. Séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Je crois que nous sommes tous les trois, d'ailleurs il revient toujours dans le chat, les trois mousquetaires. Je crois qu'on est tous plus ou moins d'accord là-dessus. Charles-Henri, corrige-moi si je me trompe. Mais complètement, c'est un des éléments phares pour éviter les crises financières parce que malheureusement, les grandes banques universelles jouent avec les dépôts de monsieur et madame tout le monde. Et donc, c'est très simple dans ces cas-là parce que vous savez que si vous jouez mal, l'État va venir vous sauver parce que c'est les dépôts de tout le monde. Alors que si vous aviez une stricte séparation entre les banques d'affaires et les banques de dépôt, une banque d'affaires qui fait un mauvais placement, vous la laissez mourir. Donc le problème à l'heure actuelle du système financier, c'est qu'il y a un aléa moral avec une privatisation des profits, une socialisation des pertes, alors que si vous avez un système complètement séparé, chacun est libre d'aller sur les marchés financiers, mais s'il fait des mauvais placements, il y coule. Tout à fait. Donc c'est pour l'audience ce que l'on appelle le Glass-Steagall Act, qui, je crois, corrige-moi si je me trompe, Charles-Henri ou Pierre-Yves, est déjà en train d'être forcé sur la Deutsche Bank en Allemagne, plus ou moins. J'ai pas cette information, moi en tout cas, mais peut-être que c'est le cas, que je suis mal renseigné. N'oublions pas que la banque universelle, ce monstre, qui est l'enfant de Monsieur Delors, comme quoi il aura fait ça et Martine Aubry, coup pour un seul homme. Et la banque universelle, c'est aussi, je le rappelle, c'est avant l'abrogation du Glass-Steagall Act aux États-Unis, c'est un monstre qui est né en Europe et qui est né pourquoi ? Pour pouvoir faire un espace bancaire européen unifié. Je le rappelle, elle juste. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui me dit « Idriss, arrête de lire ton prompteur ». Je ne sais pas comment ça revient, ça. Pourtant, quand vous voyez mes vidéos YouTube, vous voyez que je cherche mes mots, que des fois j'hésite, etc. Je n'ai évidemment pas de prompteur. Que ce soit dit et acté. Donc, merci, oui, pour la séparation, hein, Glass-Steagall Act, séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt, parce que autrement, les banques d'affaires prennent les dépôts en otage et se font capitaliser par les États. Charles-Henri, tu as la parole, bien sûr, donc, sur les autres thèmes que tu aurais voulu voir abordés. Alors, je voulais réagir à ce qu'avait dit Pierre-Yves, parce que certes, il a raison dans ce qu'il dit, certes, la France est une puissance régionale, certains vont dire puissance européenne, mais c'est une puissance qui a une vision mondiale. Très concrètement, la France, c'est la deuxième domaine maritime du monde. On est présent sur tous les océans, on est présent sur tous les continents. Et ça, c'est une richesse qui est formidable. Et ça a été dit, c'est grâce notamment à nos territoires d'outre-mer, que ce soit les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer. Et ça, c'est fondamental. La France, il faut savoir que l'espace maritime français, c'est 20 fois plus important que l'espace terrestre français. On vous dit souvent que la France se limiterait à l'Europe, l'Union européenne. Il faut savoir que, certes, on a 8 frontières terrestres au sein de l'Union européenne. Alors, il y a vis-à-vis de l'Espagne, Andorre, Monaco, l'Italie, la Suisse, Belgique, Luxembourg, Allemagne. Mais la plus grande frontière terrestre, elle est avec le Brésil, en Guyane. Il faut savoir qu'on a 30 pays limitrophes de la France, donc tout ça, c'est grâce à nos outre-mer. Il y a notamment la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie sont limitrophes de l'Australie. C'est pour ça qu'il y a de la coopération régionale d'ailleurs dedans, et c'est pour ça que l'Australie a acheté des sous-marins à la France, parce que l'Australie a peur de la Chine, et la France a pu lui vendre qu'il pourrait y avoir de la maintenance dans nos territoires d'outre-mer, qu'il y avait une proximité géographique. Et donc ça, c'est très important, parce qu'on ne le rappelle jamais, que la France a une vocation mondial. Si vous regardez d'ailleurs même au niveau de l'éducation, on vous fait la géographie du Japon, des États-Unis et bien évidemment de l'Union européenne, mais on ne parle jamais en détail de nos départements et territoires d'outre-mer. Et le pire, c'est que le programme étant le même au niveau national, c'est-à-dire que cet exercice n'est même pas fait de manière sérieuse au sein des territoires et des départements d'outre-mer pour les enfants, nos enfants français des territoires et des départements d'outre-mer. Donc c'est absolument dingue. Et cette projection de la France vers la mer, c'est un des grands défis, si ce n'est le grand défi du XXIe siècle.
il y a des carences monumentales là-dedans. La France est présente sur tous les océans, mais il faut savoir qu'au niveau, ne serait-ce qu'il y a beaucoup de ressources, quand vous avez 11 millions de kilomètres carrés, la France n'a pas les moyens de surveiller ses propres ressources. Mmh. On a environ, vous vous rendez compte, sur cette surface-là, qu'une trentaine de patrouilleurs, bon, il y en a 6 qui vont être rénovés à horizon 2022-2025, mais on n'en a qu'une trentaine. C'est comme si vous aviez 2 voitures de police pour surveiller toute la France hexagonale, métropolitaine. C'est absolument délirant, et du coup, on se fait évidemment braconner, par exemple, au large de Guyane, par le Suriname ou par le Brésil, toutes ces ressources naturelles, ne serait-ce que pour la préservation de l'environnement et pour notre propre exploitation des ressources, parce qu'il y a toutes les ressources en hydrocarbures, en minerais qui sont dans les océans. Il y a tout un tas de ressources, et ça, Idriss, tu connais certainement mieux que moi, ressources maritimes qui ne sont pas encore connues, qui sont inexploitables, et ça, c'est un trésor magnifique pour la France de demain. Mais il y a des efforts à faire, évidemment, quand on parle de surveillance. 30 patrouilleurs, ce n'est pas assez, il faudrait des patrouilleurs en plus. Mais comme on n'a pas non plus un budget limité, évidemment, rien ne remplace les patrouilleurs, les bateaux physiques et les hommes et nos hommes de la Marine nationale. Mais on peut imaginer en complément, en surveillance de ça, par exemple, des drones pour surveiller partout notre espace maritime français, ce qui n'est pas fait à l'heure actuelle. Il y a évidemment la question du porte-avions. Pour toutes les contraintes budgétaires de l'Union européenne, le Charles de Gaulle va arriver à échéance en 2040, mais on aurait besoin d'un deuxième porte-avions. Qui dit un deuxième porte-avions dit vous d'avoir minimum un sous-marin nucléaire qui est à côté et des patrouilleurs, le sous-marin nucléaire qui doit être mis de côté en maintenance, ça veut dire qu'il en faut 2. Donc il faut, au minima, on parle qu'un nouveau Charles de Gaulle, il faudrait, avec tout ce qu'il y a autour et tous les coûts compris, le sous-marin nucléaire, patrouilleur, il faudrait à peu près 7 milliards d'euros. Ça tombe bien, notre contribution nette à l'Union européenne, c'est 10 milliards d'euros. Et au-delà de ça, les contraintes budgétaires imposées par l'Union européenne fait qu'on ne peut pas avoir ce deuxième porte-avions. Et donc ça, c'est très important et il faudra là-dessus agir. Et tout l'espace de l'océan est fondamental. La France, culturellement, ne s'est jamais projetée sur l'océan. Il y a des raisons historiques, on peut y revenir. Bon, pourquoi le Royaume-Uni s'est projeté vers l'océan, c'est pas parce que, vers la mer, c'est pas seulement parce que c'est une île, c'est parce que le Royaume-Uni, historiquement, les gens, les citoyens britanniques ne détiennent pas les terres. C'est soit les lords, soit c'est la reine. Et donc, pour faire fortune, ils devaient justement aller se projeter à l'extérieur en bateau et aller chercher de la mer. Alors que la France, on a un pays de propriétaires terriens et on pouvait faire fortune au sein de la France. Donc, on a toujours délaissé la mer et ça nous a été préjudiciable dans l'histoire. On se rappelle en 1783 d'une belle bataille où le bailli de Suffren avait battu les Britanniques près de l'Inde, vers Pondichéry, d'ailleurs, qui a toujours une influence française. Mais le grand drame de la France, notamment au niveau militaire, c'est évidemment la bataille de Trafalgar qui a plombé toutes les chances de Napoléon de pouvoir après envahir l'Angleterre et d'arrêter les guerres, ce qui l'a poussé à sa politique du blocus continental. Et la France a toujours historiquement délaissé la mer alors qu'on a des atouts formidables. Et évidemment, cet espace maritime, on a aussi des talents incroyables, quasiment toutes les innovations dans la marine, même si on était des bateaux moins nombreux que les Britanniques, toutes les innovations dans la marine quasiment sont venues de navigateurs français. On est un grand pays d'exploration, on a quasiment les meilleurs cartographes du monde, mais c'est comme pour l'armée, comme ils disaient Pierre-Yves, pour l'armée, où ils font eux-mêmes leur propre gilet pare-balles. Ben, nos cartographes ont quasiment peu de moyens, alors que la France vend justement toute la cartographie des mers. La cartographie, c'est pas seulement l'emplacement des côtes, c'est vraiment la profondeur des océans, les courants, etc. On a les meilleurs cartographes au monde en France et on a tout ce potentiel qui n'est pas exploité. Et au niveau énergétique, l'éolien, on sait que c'est pas performant, mais on peut imaginer justement des solutions dans l'hydrolien qu'on pourrait faire quand on a 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives. Il y aurait beaucoup de choses à faire d'un point de vue énergétique là-dessus, d'un point de vue de l'autonomie justement énergétique de nos territoires d'outre-mer. Ce serait intéressant de le faire d'un point de vue écologique aussi, de faire tous ces éléments-là. Et donc, il y a évidemment plein de choses à faire. Là, il y a tout la problématique, là, plutôt mon aspect, ma casquette économique, il y a la problématique que la France non plus n'a pas de grands ports. Oui. C'est-à-dire que toutes les marchandises qui viennent en particulier d'Asie, passent tous par 3 ports, c'est Anvers, Hambourg ou Rotterdam. Et après, il y a un deuxième bateau qui vient après et qui vient dans nos ports français. Sauf que sur certains produits, c'est un surcoût de près de 300%. Donc ça nuit, évidemment, même si ce n'est pas des produits, c'est de la matière première, des fois, ce n'est pas forcément que des produits finis, ça nuit évidemment à la compétitivité de nos entreprises. Et la France devrait avoir un grand port
en métropole, on peut penser dans le cadre du Grand Paris au port du Havre, mais même les ports de Dunkerque et de Marseille doivent être développés. Et il n'est pas normal non plus qu'on n'ait pas de grands ports en Outre-mer. Il y a évidemment les ports en Guyane, Martinique, Guadeloupe et Réunion, mais ce n'est pas suffisant. Et notamment d'un point de vue militaire, il faudrait que nos porte-avions puissent mouiller directement dans des ports en Outre-mer. Et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc il y a tout un travail à faire là-dedans pour que la France reprenne justement sa vocation mondiale et reprenne de la coopération régionale. J'ai parlé de l'Australie, ce n'est pas dans l'Union européenne. La France a de très bonnes relations avec l'Australie et ça peut être le cas avec le Brésil grâce à la Guyane et profiter justement de toute cette projection mondiale. Il y avait un très beau discours justement des Britanniques après la sortie de l'Union européenne, ou un slogan, il disait « Global Britain ». Mais évidemment, la France est une puissance européenne et continuera d'avoir des bonnes relations avec ses voisins, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Mais la France aussi est une puissance mondiale. On ne doit pas se limiter à ce périmètre qui, comme l'a dit très justement Pierre-Yves, est en plus la zone économique dans le monde qui est en déclin. Donc il faut au contraire s'orienter et échanger avec les zones qui sont en plein essor pour y avoir une France de demain prospère et pour que les Français puissent en profiter. Alors Pierre-Yves, tu voulais réagir là-dessus. Juste avant, je réagis à la barre de dialogue. On a posé la question pendant ce que décrivait Charles-Henri, comment est-il possible d'être à la fois vert et de réouvrir des ports? C'est une excellente question hein, du chat. Le meilleur cas au monde, à ma connaissance, pour répondre à cette question, puisqu'elle m'était adressée, c'est Vancouver. À Vancouver, ils ont le trafic de porte-conteneurs aussi bien de l'équivalent de Marseille et de Gênes réunis. Marseille et Gênes réunis, qui sont des villes très polluées, enfin dont le littoral est très pollué par l'activité portuaire, et Vancouver est tellement propre qu'on peut y manger les huîtres. Les huîtres sont servies légalement dans les restaurants avec des contrôles sanitaires très réguliers. Donc l'eau est tellement pure qu'on peut manger les huîtres à Vancouver alors qu'elles sont, ils ont Marseille plus Gênes en trafic de porte-conteneurs. Et comment ils font? Eh bien, ils ont adopté des politiques très simples. Par exemple, les bateaux doivent couper les moteurs avant d'entrer. Je crois que c'est à 12 000. Il y a un pilote qui vient les chercher avec un petit bateau remorqueur. Il vérifie bien l'intégrité de la coque. Il vérifie bien que les moteurs ne vont pas dégazer en plein littoral. Et c'est tout à fait possible d'avoir des échanges commerciaux maritimes et d'avoir un littoral impeccable. Je te donne la parole, Pierre. Oui, puis de toute façon, juste un petit point là-dessus. Quand votre bateau va directement, par exemple, depuis Singapour jusqu'à Marseille ou Le Havre, il va moins polluer que s'il va à Rotterdam et qu'il revient après au Havre et à Marseille faire des petits bateaux. Mais là, on parlait même pour les habitants. Quoi. C'est vraiment pour les habitants. Oui. À toi la parole, Pierre-Yves. Juste la remarque introductive que j'avais faite, parce que pour être sûr que tout le monde m'ait bien compris, c'est en réalité, il n'y aura aujourd'hui, s'il y a un projet, c'est la France pour et par le monde. C'est... Si j'ai mis la dimension européenne en premier, c'est tout simplement parce qu'on on m'en veut assez régulièrement de la relativiser. La seule chose, c'est que je ne la nie pas. Je dis juste que nul ne fera faire aux Européens pris dans leur ensemble, et d'ailleurs ce ne serait pas à nous de le faire, parce qu'ils ont eux aussi leur liberté. Une bonne partie de ces peuples n'entendent pas jouer un rôle hors du commun dans l'histoire, et d'ailleurs c'est leur destinée et ils en sont responsables. Ce n'est pas à nous de les forcer à avoir ce qui a été d'ailleurs un des grands problèmes de certains diplomates français qui ont cru qu'ils allaient faire une grande politique à partir de l'Union européenne. Non, vous ne ferez pas, un Balte n'a pas nécessairement à s'intéresser à ce qui se passe dans l'Atlantique Sud. Donc, si vous voulez, moi je n'ai jamais nié cet état de fait, je dis juste que, une partie de ces peuples n'en a pas envie, n'a jamais eu envie de nous suivre, alors que nous avons saigné la France pour mutualiser nos moyens, et deux, la plupart des pays qui cultivent la francophilie sont en dehors de l'Europe aujourd'hui. Ça tombe bien, ce sont des pays qui, eux, ont un avenir. Beaucoup de pays européens ne semblent pas plus préoccupés de leur avenir, même démographique, il suffit de le voir. Et donc, autant cette dimension a existé, autant aujourd'hui, elle doit céder le pas sans nécessairement gâter nos relations de voisinage. Le problème n'est pas là. Mais elle doit céder le pas devant justement cet équivalent de la Global Britain, parce qu'il faut se raccrocher au monde qui lui veut continuer et qui lui va vivre.
alors qu'une bonne partie de l'Europe, sans nécessairement mourir, disons, avec quand même une volonté hein, de spleen historique qui est très préoccupante et dans lequel nous ne devons pas laisser la France tomber. Absolument. Je réagis rapidement à la barre de dialogue toujours. Il y a une question qui revient assez souvent. Là, en l'occurrence, elle me nommait, c'était donc Idriss, je crois, de tête, parce que elle a défilé cette question. Peux-tu nous expliquer pourquoi, pour être vert, il faut être de gauche? Bon, je crois que nous sommes trois ici à savoir que l'écologie n'a pas de bord politique, que certes, il y a eu historiquement une écologie de gauche, mais l'écologie, enfin, je veux dire, les nécessités de la nature sont bien antérieures à celles de la politique humaine, et donc bien évidemment la vraie écologie n'est ni de droite ni de gauche. D'ailleurs, effectivement, le souverainisme a une tendance à l'optimisation énergétique, c'est tout à fait exact, puisque le souverainisme qui est classé parfois à gauche, parfois à droite, en réalité on ne pourrait pas vraiment dire que le souverainisme non plus est de droite ou de gauche, mais le souverainisme a une tendance claire à l'optimisation des chaînes énergétiques. Oui, ça c'est tout à fait prouvé. Donc voilà pour répondre à cette question. Sur quel autre sujet, même si ce live s'approche de sa fin, mais il nous reste 20 bonnes minutes, enfin, si vous le voulez bien, mes camarades. Donc, moi, j'aimerais rester sur le sujet de la mer, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me fascine, et je pense que un projet Super France. Alors, sachez pour l'audience que Super France, c'est un livre blanc, hein, donc c'est à partager avec vous toutes et tous. On est ravis d'avoir des entrées. Oui, alors, pardonne-moi, Pierre-Yves, je te donne la parole. Non, 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 ça c'était juste pour une remarque. Il y a deux grands esprits qui sont en train de travailler aussi sur des questions qui sont les parallèles des nôtres. Un qui a déjà remis son travail s'appelle, qui s'appelle Reconquérir par la mer, c'est Richard Labévière. Qui est un homme précieux. Et il y a un autre point qui est important. Et là, je nommerai quelqu'un qui n'est pas encore assez connu en France, qui s'appelle Yann Giron, qui vient d'écrire un précis de stratégie maritime qui va ressortir aux éditions du Toucan l'Artilleur dès la fin du confinement. Et j'espère que cet ouvrage aura du succès, comme celui de Richard d'ailleurs, qui sont deux ouvrages importants. Qui est Yann Giron, c'est un des plus grands spécialistes d'une menace qui, si la France n'y prend pas garde, est une menace d'échelle globale. Et d'ailleurs, je parle à ceux qui ne seraient pas tentés par la France sur mer, si la France ne va pas sur mer, eh bien ce sera un danger pour la mer. Oui. Je m'explique. Il y a une menace dont on ne parle pas, qui est la privatisation rampante des océans. Tout à fait. Qui est quelque chose qui est une menace sur la totalité de l'humanité à terme. C'est un peu, si tu veux, l'équivalent d'un phénomène dont on ne parle jamais assez, qui est le land grabbing, tu sais, l'appropriation de terre, qui est quelque chose d'extraordinairement. Et si tu veux, sur mer, c'est encore bien pire, parce que la mer est un espace qui peut être stérilisé, c'est un espace qui peut être définitivement pillé, c'est un espace résilient, certes, mais un espace qui peut voir ses lois violées. Oui. Et si nous ne faisons pas en sorte de donner l'exemple dans cette zone maritime mondiale exceptionnelle, ce sera une démission d'ampleur globale. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne pourra le faire. Mmh. Et c'est une menace d'ampleur stratégique. Qu'en penses-tu, Charles-Henri, de cette possibilité, l'équivalent du land grabbing pour le sea grabbing, la privatisation des océans? Non, c'est pour ça, mais la France le fait déjà, mais elle doit continuer d'être à la pointe là-dessus, d'être pour l'océan comme un bien commun justement de l'humanité pour éviter ce type de phénomène. Mmh. Ça m'a fait repenser quand on a parlé de la dimension stratégique de la mer et de l'océan, il y a aussi toute la dimension de tous les câbles sous-marins. Et ça, c'est fondamental de savoir justement d'avoir le contrôle sur ces câbles. Déjà, la surveillance, qui les a, qui les contrôle. Et ça, ça revient à toute notre souveraineté justement numérique et autres, dont évidemment la souveraineté est sur à peu près tous les sujets. Mais ça, c'est évidemment fondamental parce que qui contrôle les câbles contrôle justement les communications. Et on l'a dit et redit, on est dans un monde de plus en plus de la connaissance et de l'information. Et donc, c'est même s'il y a de la connaissance et de l'information pour beaucoup de gens, ça peut paraître immatériel.
il y a souvent des biens matériels qui sont derrière, et c'est notamment le cas de ces câbles sous-marins. Et donc la mer n'est évidemment pas à négliger. D'ailleurs, les deux grandes puissances actuelles, que sont la Chine et les États-Unis, ne s'y trompent pas, parce que le Pacifique, la mer de Chine, sont les nouveaux théâtres d'opération d'un point de vue militaire et géostratégique. Et c'est, on a parlé tout à l'heure de Donald Trump qui délaissait l'Europe, c'est un mouvement plus global aux États-Unis où il se décentre de l'Europe justement pour le Pacifique et vers la Chine, même si ce qui a été dit est très vrai d'un point de vue, c'est pas pour autant qu'une autre administration délaisserait l'Union européenne qui a toujours été son joujou et à sa botte, mais il y a un mouvement global au niveau américain de recentrage géostratégique vers l'Asie, en particulier vers la mer de Chine et le Pacifique. Oui, absolument. Donc, effectivement, voilà. Alors, sur l'aspect maritime tout de même de la France, je voulais vous poser aussi des questions de plus en plus projetées et concrètes. Par exemple, devrait-on délocaliser un ministère de la mer ou un ministère de la marine dans une des villes qui ont été citées, que ce soit Le Havre, Dunkerque ou Bordeaux, ou pourquoi pas Marseille? Est-ce que c'est quelque chose que vous encourageriez? Pierre-Yves, je te donne la parole là-dessus. Ça a coupé, tu n'as pas entendu. Charles-Henri. Ah, tu préfères. Moi, j'ai entendu, mais. J'ai entendu. Mais le. Mais. Bon. Si tu penses que Charles-Henri. Moi, je te dirais. Oui. Moi, ce que je te dirais, je pense. Enfin, autant j'aimerais qu'il y ait un ministre au-dessous du ministre des Affaires étrangères, un secrétaire général pour la francophonie. Autant j'estime que les dom-toms doivent être la mer doit faire l'objet donc d'un secrétariat d'État d'un secrétariat d'État rattaché au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'occupe que des dom-toms et qui fait le go-between avec la métropole en permanence, mais et qui a son correspondant direct avec un ministre de la Marine, parce que j'en parlais avec Nicolas Duic, qui était certainement l'un des seuls députés qui connaissait bien les questions de défense et qui a été apprécié par l'armée, par les armées, grâce à ça. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui, pour apprendre comment, qui s'est fait mousse auprès de l'amiral Dufour pour apprendre comment était un sous-marin, quand même. Ils l'ont pas tous fait. Et c'est entre 20 et 30 ans hein, de refaire toute une flotte. C'est ce qu'il y a de plus long en termes militaires, hein, la flotte. Donc, si tu veux, d'avoir quelqu'un qui, un peu comme l'était pour la militarisation de l'espace aux États-Unis, le général Myers, qui a été sous plusieurs présidences, d'avoir des hommes qui ne s'occupent que de ça. Ah d'ailleurs, je réagis à la barre de dialogue toujours à propos de Donald Trump, qu'évoque Charles-Henri Gallois. Que pensent les invités des récentes manœuvres de l'US Navy en mer des Caraïbes? Quelqu'un veut répondre à cette question? Il est trop tôt, je pense, pour le dire. Il y a beaucoup de personnes qui expliquent que le Venezuela est dans le viseur. Après... c'est encore dur à dire et à affirmer, donc je ne vais pas le faire, d'autant que les États-Unis sont tellement, je pense, préoccupés à l'heure actuelle par cette crise du Covid-19. C'est certainement le pays qui sera de loin le plus touché, notamment avec son système de santé, même s'ils ont dit que l'État prendrait en charge pour les plus démunis les soins liés à ça. Il faut savoir que les États-Unis, il n'y a pas la couverture sociale qu'on a en France. Donc depuis le début de la crise, il y a déjà 10 millions de nouveaux chômeurs en plus. Et la situation peut vraiment être explosive aux États-Unis parce qu'il peut y avoir évidemment une crise économique et financière qui va être majeure et du coup qui évidemment par ricochet touchera l'Europe. On en revient un petit peu à la question justement de l'euro et d'éventuelle explosion de l'euro liée à ça. Alors après, on sait tous que souvent dans les situations de crise et de relance de l'économie, c'est malheureux à dire, mais il est souvent dit qu'une bonne guerre relance l'économie. Est-ce que c'est l'idée qu'il a en tête? Ça me paraît un peu prématuré qu'il lance une attaque dès maintenant. Et Donald Trump a en plus été élu sur plutôt un programme de non-ingérence, qui était là aussi une première depuis très longtemps dans l'histoire moderne américaine, même dans l'histoire américaine tout court, parce que c'est un pays qui a quasiment été en guerre tout au long de son existence. Donc, à voir ce qu'il en est, c'est juste une manœuvre purement militaire ou s'il y a d'autres visées derrière. Pour le moment, je ne m'avancerai pas plus.
puis arrive une opinion. Je rejoins Charles-Henri pour penser que c'est un peu tôt pour statuer. Ensuite, si jamais nous allons à l'escalade, bon, on va être très clair, nous connaissons les données du Venezuela, hein. Le pétrole vénézuélien est à 3 jours de mer, là où le pétrole saoudien est à 30 jours de mer. Le Moyen-Orient n'est plus une zone assez sûre pour les États-Unis, vu en plus que c'est aujourd'hui redevenu une zone à multiples acteurs. Donc de revenir à la bonne doctrine Monroe est une tentation. Surtout que Donald Trump n'a pas fait la guerre. On peut haïr cet homme. Il n'a pas fait la mais guerre. Mais cet homme n'a pas fait la guerre. Et pour un président américain, ne pas faire la guerre pendant 4 ans, je cherchais avec mes équipes un pendant depuis Franklin Delano Roosevelt. Je ne suis pas arrivé à en trouver, y compris les ectoplasmiques Ford et Carter, qui ont fait la guerre, quoi que Jimmy Carter en dise aujourd'hui. Et la seule chose, c'est que la doctrine Monroe a été un peu donnée à une partie des néoconservateurs républicains comme un os à ronger, c'est-à-dire je n'irai pas au Moyen-Orient militairement, mais vous pouvez aller embêter Maduro si ça vous chante, du moment que vous me fichez la paix. C'était le rôle très particulier et assez malsain d'ailleurs, ne serait-ce qu'en termes de gestion d'équipe, qu'a pu jouer quelqu'un comme Bolton. Oui, j'y pense. Donc rien n'est à exclure. La seule chose, c'est que si Donald Trump fait cette erreur alors qu'il est en pré-campagne et qu'il a battu toute sa légitimité auprès des rednecks particulièrement, qui lui sont reconnaissants de ne pas avoir envoyé leur gamin revenir dans des sacs à viande froide, ce sera une erreur majeure qui en plus aura des conséquences à mon avis polémologiques énormes parce que, et je le dis sincèrement sans aucune affection particulière pour Donald Trump, je suis citoyen français, je ne me mêle pas des élections américaines. La seule chose c'est que le retour des démocrates sera certainement le retour de l'option militaire sur la table. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Option Biden sur Sanders, ça resterait à voir, mais c'est vrai qu'une option Biden, c'est le retour, comme ça a été dit, c'est le retour de Clinton, donc là, c'est des va-t-en-guerre. Des faucons, c'est clairement ça. Ne serait-ce que pour relancer l'économie américaine, qui pourrait en avoir bien besoin. Mais je partage tout à fait ton analyse, Pierre-Yves, sur le caractère notamment de négociation, en fait, de dire, Trump arrête les guerres au Moyen-Orient autant qu'il le peut, mais en même temps, il lâche du mou sur la doctrine Monroe. Alors, pour notre audience, la doctrine Monroe, hein, c'est bien entendu la doctrine qui consiste à affirmer l'autorité américaine sur tout ce qu'on appelle l'hémisphère occidental, hein, donc, c'est-à-dire que toutes les Amériques nord-sud doivent être le domaine réservé des États-Unis, ce qui bien entendu pose des problèmes aussi bien moraux que géopolitiques. Et si vous avez des amis mexicains, vous leur demandez de vous parler de la doctrine Monroe, ils en parleront sans doute beaucoup mieux que nous trois, même si Pierre-Yves en a très bien parlé. Donc voilà pour le tour d'horizon. Je pense qu'on a commencé à... Alors le but de ce live, bien entendu, de ce direct, pardonnez-moi l'anglicisme, en l'occurrence, parce que... Super France, on va essayer de rester dans des gallicismes. Le but de ce direct était d'amorcer cette réflexion sur la France d'après. Comment ne pas gaspiller une crise? Au fond, une crise, c'est une opportunité. Et donc, il faut arrêter d'en avoir peur. On est dedans, ça y est. On peut avoir peur de l'eau tant qu'on n'a pas été jeté dedans. Mais une fois qu'on est jeté dans l'eau, c'est plus la peine d'en avoir peur. Il faut se poser la question des bons mouvements pour bien nager. Et peut-être même qu'un jour, on se rendra compte qu'on aime nager et qu'on ira à la plage par plaisir plutôt que d'apprendre à nager par survie. Ben là, c'est la même chose. On est plongé dans la crise, ça y est. On est dedans. Je crois que toutes les personnes qui ont pu dire qu'on n'était pas en récession feront doucement rigoler à peu près n'importe qui ici, aussi bien dans la barre de dialogue que nous trois. Jamais il n'y a eu les trois premières économies de la zone euro, ne serait-ce que dans le cas européen, confinées, à l'arrêt complet, sans consommation, sans production quasiment. Donc oui, on est en récession, oui, on est en crise. Il ne faut pas la gâcher. Une crise est une magnifique opportunité. Et là, j'espère que dans ce direct Super France, pour le cas français, sortie de l'euro, création d'un fonds souverain, audit de la dette, audit avec bien entendu une répudiation de toute dette qui n'aura pas eu d'équivalent public, parce qu'après tout, l'intitulé dette publique est un intitulé noble. Ce mot public, on ne doit pas le mettre n'importe où et il faut le mériter. Et est-ce que la dette publique a vraiment mérité cet intitulé public? Moi, personnellement, je ne le crois pas. Pierre-Yves, qu'est-ce que tu en penses? Et puis Charles-Henri, qu'est-ce que tu en penses dans cette parenthèse rapidement? Je pense que
je pense que la grande créativité historique française a été de savoir décourager certains types de créanciers vautours et de savoir les réduire en nombre. Mais ça, c'était une spécialité de nos rois de France. Nous sommes dans des époques plus policées. Quels exemples tu aurais pour notre audience ? Un exemple concret de créanciers vautours C'est très simple. C'est très simple. Philippe Lebel qui fait arrêter une partie des créanciers, ça va aussi vite que ça. Oui, voilà, tout simplement. je n'encourage à rien. Je dis juste que il n'y a pas de placement sans risque. Et d'essayer de jouer sur la dette publique éternellement parce que l'État est un débiteur immortel, donc un débiteur on ne peut plus solvable, ne doit pas être dénué de risques. Je ne dis pas qu'il faut utiliser la procédure de faillite pour l'utiliser gratuitement. Je dis juste que, comme disait l'intendant aux finances de Louis XV, la France doit faire faillite une fois par génération pour se mettre au pair. Et il n'est pas question que la richesse publique soit une rente d'usurier. Très bien dit. Charles-Henri ? Alors, moi, je ne suis pas nécessairement pour que la France fasse défaut, mais ce qui est très vrai dans ce qui a été dit, c'est que... Je ne voulais pas te couper, mais le but d'avoir Pierre-Yves et toi-même, bien sûr, n'est pas que vous soyez d'accord sur tout, hein, et qu'il y ait, bien sûr, deux opinions sur les options. Donc, même si tu devais ne pas être d'accord, on est très, très intéressé par ton avis. Non, voilà, juste pour expliquer, parce que les défauts, malheureusement, de la dette française, il y en a partout, on a de l'assurance vie ou autre, et quand on a un défaut, ça toucherait aussi, pareil que chez des citoyens français. D'où un audit, on a dit un audit. Sur l'audit, oui. Par contre, ce qui est très vrai dans ce qu'a dit Pierre-Yves, et ce qu'on explique rarement, c'est que dans le taux d'intérêt qui est payé par un État ou même un particulier, il y a une prime de risque, il y a les risques de solvabilité, il y a le risque de liquidité. Et pour un État, il y a même le risque, quand on est dans une stupidité comme l'euro, il y a le risque de convertibilité si on revient en devise nationale. Donc finalement, ce risque-là, il était présent. Et un État qui ferait défaut, ce serait rien d'autre que le risque qui se matérialiserait. Il n'y a pas de raison d'avoir de profit sans risque. Tout à fait. Bon. Donc voilà pour le résumé. Sortie de l'euro, bien entendu. Une plus grande part au référendum d'initiative citoyenne. Qui sera ou pas acté dans la Constitution, ou en tout cas par des pratiques concrètes. Hein. Il y a tout un tas de méthodes pour voter facilement aujourd'hui. Hein. Voter n'a jamais été aussi facile. Également, donc, création d'un fonds souverain gagé sur les richesses in futurum de la France, et donc autour de 5 à 10 % de son produit intérieur brut. Sur le plan diplomatique, chers amis, si on pouvait conclure là-dessus, quelles alliances ou quelle communauté d'intérêt vous verriez la France s'engager plus ou moins ? Alors, je donne la parole d'abord à Pierre-Yves et ensuite, ce sera à toi, Charles-Henri, pour conclure. La situation va, disons, se réouvrir pour un grand jeu à la française. Notre vieille diplomatie capétienne ou gaulo-capétienne, qui est de faire d'être le grain entre les meules des grands royaumes combattants, la fin de l'unipolarité américaine va nous le permettre. À une condition, c'est qu'on sorte de la position de vassal permanent que l'Union européenne nous fait avoir. Parce que si on reste à genoux, tout le monde vous marche dessus. Ça va être quand même une vie internationale qui va être toujours policée. Il n'y a pas de risque de déflagration majeure. L'arme nucléaire nous protège de tout ça. Mais ça va être une vie internationale un peu virile. Il faut quand même... ça ne va pas être du coton. L'émergence totale de la Chine, l'arrivée de l'Inde, l'arrivée de pays comme l'Indonésie ou en cas africain, le Nigeria, ça va être le retour de ce que mon excellent ami Jean-François Susbiel appelait les royaumes combattants, pas nécessairement d'ailleurs agressif, mais disons que pour si vis pacem para bellum, hein, c'est la meilleure manière d'éviter les grands conflits, c'est d'être dissuasif. Et je pense que dans ce cadre-là, la France peut tisser des alliances avec toute une partie du monde asiatique, toute une partie du monde latino-américain, mais qu'elle doit voir avant tout la logique de ses intérêts. Et son premier intérêt, c'est d'aider l'Afrique à ne pas, disons, être submergée par son fait démographique, car sinon, nos amis, qui sont les États du Maghreb, seront les premiers à avoir de très gros troubles internes avant nous, parce qu'on viendra ici après, premièrement. Deuxièmement, d'aider à ce que les ressources
collective, disons une sorte de planétisation apaisée, pour parler comme Teilhard de Chardin, que je préfère appeler un Westphalie planétaire, et disons de revenir à ce qu'un auteur appelait le quadrilatère de l'humanité, c'est-à-dire les médicaments, l'eau, la nourriture et l'éducation, d'essayer de mettre ces biens au maximum hors marché, pas du tout dans une logique irénique, mais de dire que s'il n'y a pas accès à ces biens de base, eh bien l'Occident sera, et nous avec malheureusement, nous serons submergés par les conséquences sociales et démographiques à long terme de ne pas avoir aidé à une modernisation suffisamment rapide des États de l'ancien tiers-monde. Je trouve ça tout à fait à propos et juste, Charles-Henri. Alors, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Moi, je dirais deux choses. C'est déjà de dédramatiser, quand on parlait de sortie de l'Union européenne, la France avait des coopérations internationales avec les différents pays, d'ailleurs européens ou non, avant l'Union européenne, et fera de la coopération internationale après l'Union européenne. Le mythe qu'on nous vend d'une France, d'une France qui serait seule, on nous vend le truc de la Corée du Nord, c'est complètement bidon. La France échangeait avec les pays européens avant et échangera après, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et évidemment que la France se doit, dans ce nouveau contexte de monde multipolaire, je pense que la France doit jouer à fond son rôle dans ce monde multipolaire, mais pas vassalisé au sein de l'Union européenne, mais bien au contraire de puissance d'équilibre entre les différents pôles, doit se battre justement pour ce qui a été dit, la démarchandisation de certaines catégories de produits, doit se battre pour le respect du droit international, parce que qui dit que demain, ce ne sera pas la Chine ou d'autres pays qui voudront violer le droit international, si nous, la France, en étant à la remorque des États-Unis qui, souvent ces derniers temps, violent le droit international, les Chinois auront beau jeu de dire « la France et les autres, taisez-vous, vous l'avez violé, on va le violer nous aussi ». Donc la France doit être au contraire cette grande puissance d'équilibre au XXIe siècle et dans les années qui viennent, et ça doit normalement justement se faire après le Frexit, et ça serait une mini-conclusion qui va au-delà de la diplomatie. Ce que je veux dire, c'est qu'on l'a dit, une crise, ça doit être une opportunité. Et là, on nous vend des beaux discours. Alors oui, on va peut-être faire des nationalisations. Oui, il faut de la souveraineté dans le domaine de la santé. Mais la souveraineté, comme on l'a dit, c'est pas juste dans le domaine de la santé, c'est dans absolument tous les domaines. Et j'ai bien peur, je suis quasiment sûr que ça sera exactement comme après la crise de 2008. Ça va être des beaux discours avant et qu'après, il ne se passera rien avec les gouvernants actuels qui voudront repartir exactement dans le même schéma qu'on a eu, voire peut-être même en pire si on rentre justement dans ce schéma de MES ou autre, parce qu'ils pourront vous dire « votre dette a augmenté et donc vous devez faire encore plus d'austérité, vous devez encore plus massacrer votre modèle national, vous devez, au niveau de la défense, mutualiser avec les pays européens parce que ça vous coûte trop cher ». Et en fait, on pourrait aller au contraire avec cette crise vers le pire avec les gouvernants actuels, et il est urgent au contraire d'avoir le Frexit et de se battre pour l'indépendance de la France dans tous les domaines et de redevenir une France comme puissance d'équilibre de par le monde. Absolument, je crois qu'on peut vraiment conclure là-dessus. Ce sont des fantômes qu'on agite, cette idée qu'un pays, regardez, un petit pays comme la Suisse qui a 8 millions d'habitants, qui a un territoire qui n'a même pas accès à la mer, a sa propre monnaie et s'en porte très très bien. La Corée du Sud, bien entendu, qui est devenue en 50 ans plus riche que la France par habitant, a sa propre monnaie et a, bien entendu, au-delà de ça, un patriotisme économique assez marqué. Qui a été le pays qui a peut-être le mieux géré la crise du Covid. Tout à fait. Ce n'est pas une question de taille et de solidarité européenne. Exactement, qui en plus était un pays avec une grande population, enfin supérieure à Taïwan ou à Hong Kong, et a très très bien géré la crise. Et puis donc, est un pays qui a Apple. On a posé dans la barre de dialogue la question d'un Apple à la française. Samsung, pour un pays qui fait la taille de la France en matière économique, est en Corée du Sud. Donc, bien entendu, il y a des champions en France. Ça sera d'ailleurs l'occasion de faire un autre direct pour en parler de façon plus précise. Nous, on a évoqué la mer, alors bien sûr, il y a le Naval Group, mais la France a tout un tas de champions absolument remarquables qui peuvent tenir la dragée haute à n'importe qui dans une compétition internationale, pour peu, bien entendu, que cette compétition soit juste. Je renvoie notre audience à cette excellente interview de M. Pierucci, ce grand héros national, qui en a très bien parlé, ainsi qu'à d'Alain Juillet. Donc, c'est le moment de clôturer ce direct.
direct. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Ce n'est donc qu'une amorce. Ce projet, ce programme, on pourrait dire, bien sûr libre, hein, il n'appartient à personne. On n'a absolument pas déposé ce mot Super France. Et je serais très, très fâché d'apprendre que quelqu'un ou quiconque l'a déposé entre-temps. Mais c'est un projet, c'est un livre blanc. Super France, comment ne pas gaspiller cette crise en pratiquant les bonnes nationalisations, pardonnez-moi, en pratiquant bien entendu la sortie de l'Union européenne et la sortie de l'euro. Et une question qui est revenue souvent dans la barre de dialogue, c'était l'éducation. Alors on me disait, il y a quand même encore beaucoup d'élèves qui n'arrivent pas à la fin du lycée en France, comment redonner du pouvoir à ces territoires. Je pense que cette question a déjà eu sa réponse avec les excellentes interventions de Pierre-Yves et de Charles-Henri sur la réindustrialisation et en particulier des territoires périphériques. On a parlé de la Nièvre qui est le territoire d'origine de Charles-Henri. On aurait pu parler de l'Auvergne voisine qui est le territoire d'origine de Pierre-Yves. Effectivement, du temps où il y avait des industries importantes qui, comme l'a dit Charles-Henri, chaque emploi industriel créait 2 emplois de service au moins autour. Si ce n'est 3, eh bien, ces problèmes d'éducation se posaient beaucoup moins. Mes chers camarades et chers amis, je vais vous laisser le mot de la fin. Pierre-Yves d'abord et Charles-Henri ensuite. J'aimerais citer Pierre Boutan, donc le philosophe catholique Pierre Boutan, et qui avait fait une sorte de petite anthologie de tous ceux qui ont promis la mort de la France. Eh bien, ça ne va pas vous surprendre, il y a des gens qui annoncent la mort de la France depuis près de 1000 ans. Et Pierre Boutan avait cette phrase que je trouve assez extraordinaire quand on lui disait que la France allait mourir. Il répondait systématiquement à la personne, « Ne t'inquiète pas, elle t'enterrera, quoi que tu en penses, elle t'enterrera. » Et je pense que c'est un message d'espoir. Notre pays a été humilié, a été envahi, a été détruit plusieurs fois. Et nous sommes toujours là. Et ce n'est pas l'énième tentative d'asservissement qu'est l'Union européenne ou autre, qui nous briseront en tant que peuple. Nous avons survécu à bien pire, et nous ferons face encore une fois. Merci Pierre-Yves. Charles-Henri. La France, comme ça a été dit, justement, est un grand pays. La France n'a pas à prendre ses ordres de Jean-Claude Juncker ou maintenant de Madame von der Leyen. Et le peuple français a toujours su résister. La phrase, justement, la France, elle nous enterra tous, a aussi été prononcée par le général de Gaulle lorsqu'il était réfugié à Londres et que tout le monde pensait la France finie. La France, de toute façon, continuera si son peuple ne veut pas mourir. Et on sait que la France, et on sait comment marche la France dans toute son histoire, le peuple français s'est parfois laissé aller à de nombreuses reprises, et la France a été, comme l'a dit Pierre-Yves, dans son histoire à plusieurs reprises, a failli disparaître, mais au pied du mur, le peuple français a toujours su justement se révolter et revenir et défendre in fine la France, et je pense que ce sera le cas, même si on essaye à l'heure actuelle de l'asservir, viendra un moment, un point de non-retour où les Français reprendront le pouvoir et où la France, comme toujours, perdurera et fera, je l'espère, la joie non seulement des Français, mais du monde dans son ensemble. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous, très chère audience, et vous, très chers intervenants, d'une qualité absolument excellente. Pardonne-moi, Pierre-Yves, tu disais. Je te remercie, et toi, mon cher Idriss. Alors, vraiment, oui, merci pour l'organisation, Idriss. Ah non, mais de rien, on en refera d'autres, vraiment. C'était un grand plaisir, en tout cas, en ce qui me concerne. Voilà, je suis ravi qu'on ait pu amorcer cette notion de Super France, comment ne pas gaspiller la crise. Voici nos préconisations et voici notre début de plan d'action. On pourrait en parler davantage, mais voilà le début du projet Super France. Emparez-vous-en. Utilisez-le, mettez-le à jour, il est public et ouvert, il ne nous appartient pas. On a simplement voulu donner la pitchnette qui va permettre de ne pas gaspiller cette crise. Je termine ce live, il sera bien sûr disponible sur ma chaîne. Je vous recommande très vivement l'excellente chaîne de Pierre-Yves Rougeron, le Cercle Aristote, ainsi que toutes les interventions non moins excellentes de Charles-Henri Gallois et son très bon bouquin. Je le sais d'autant plus que j'ai eu l'honneur et l'avantage d'en faire la préface, Les illusions économiques de l'Union européenne. Salut à toutes et à tous et j'espère très sincèrement qu'on se reverra pour un prochain live. Merci, à bientôt. Merci.